L'histoire commence avec un garçon espionnant un groupe de gobelins autour d'un feu de camp. Il marche sur une branche qui alerte les gobelins de sa présence, et il s'enfuit alors que les gobelins se lancent à sa poursuite. En courant, il sourit, indiquant que tout cela fait partie de son plan, et bientôt les gobelins tombent dans un piège qu'il avait préparé à l'avance. Le garçon révèle ensuite son visage en pensant que c'était juste, et il est content d'avoir posé ce piège à l'avance. Il pense qu'il survit seul dans ce monde en ce moment, et l'histoire revient au jour où il a été transporté dans un autre monde. Nous voyons notre protagoniste lire un manga pendant la pause déjeuner à son école, assis tout seul, et il explique qu'il est un solitaire. Il développe en disant qu'il est solitaire par choix car il préfère être seul, et il sait que les autres ne feront que l'empêcher de lire. Il mentionne que les gens de sa classe sont divisés en plusieurs groupes, et il présente les groupes de filles et de délinquants. Ensuite, vient le groupe formé autour du délégué de classe, ainsi que les autres groupes appelés les sportifs et les intellos. Le reste, il les classe dans la catégorie des autres. Il déclare qu'il n'appartient évidemment à aucun de ces groupes, et il essaie de faire une sieste. Soudain, la salle commence à s'illuminer, et tout le monde dans la classe est surpris par ce qui se passe. Le protagoniste, Haruka, remarque bientôt un cercle magique dans la salle de classe, et il s'excite en pensant qu'il pourrait être téléporté dans un autre monde, mais il réalise que cela ne sera qu'une galère, et il décide de quitter la salle pour échapper au cercle magique. Comme on pouvait s'y attendre, les portes de la classe ne s'ouvrent pas, mais Haruka refuse d'abandonner, et il lance plusieurs objets contre la porte en espérant qu'elle cédera, mais rien ne se passe, et il décide de recourir à sa dernière chance, qui est de monter au plafond. Il réussit à monter avant que le cercle ne téléporte tout le monde, et il respire profondément en pensant qu'il est maintenant en sécurité, mais bientôt un cercle magique apparaît également là-bas, et il se retrouve dans l'espace blanc cliché. Il remarque que l'endroit est totalement vide, et il pense que c'est le moment où un roi, une princesse ou un dieu va apparaître, puis il aperçoit un vieil homme aussi solitaire que lui. Le vieux bonhomme s'approche de lui en ayant l'air paniqué, et de ses balbutiements, Haruka découvre qu'il est le dieu d'un autre monde. Le vieux dieu explique que le reste de ses camarades de classe sont déjà partis de cet endroit et ont été transportés dans l'autre monde, et il est surpris d'avoir oublié l'un d'eux. Haruka rit en apprenant que le dieu n'a même pas remarqué la trappe du plafond où il se cachait, et le dieu dit à Haruka de choisir rapidement une compétence, car il doit le transporter dans l'autre monde. Haruka se voit alors proposer une longue liste de compétences, et il remarque que toutes les compétences Shea ont été prises par ses autres camarades, ne laissant que les compétences inutiles. Il parcourt la liste restante en soupirant, et il remarque une compétence appelée D, qui lui permet d'attribuer un point à l'une de ses statistiques s'il obtient 2-6 avec des dés. Il jette ensuite un coup d'œil aux capacités de combat et remarque qu'il ne reste que la maîtrise de la canne, qu'il trouve ridicule. Il consulte ensuite les équipements de départ, découvrant qu'il ne reste qu'un ensemble de villageois et des lentilles de contact. La température, le rangement, le poids et le mouvement sont les seuls sorts magiques qui lui restent, et en termes de compétences générales, il ne peut obtenir que la santé générale et la marche. Pour les titres de métier, il a reclus et nit, et en termes de traits, il n'a que la proactivité en entreprise, maître de rien, et un trait appelé grosse tête, qui correspond parfaitement à notre protagoniste. La large gamme de titres et de capacités inutiles met Haruka en colère, et il secoue le dieu avec rage, lui disant qu'il ne pourra même pas passer le village de départ avec cet ensemble de compétences. Il lui dit de mieux faire son travail et de proposer une meilleure variété de compétences et de capacités, et le dieu, troublé par le solitaire idiot, décide de lui accorder toutes les compétences restantes et de l'envoyer dans l'autre monde. Ensuite, nous voyons le protagoniste dans une forêt, tout seul, et il remarque l'ensemble de villageois apposés devant lui. Il vérifie le sac, et découvre qu'il peut y stocker un nombre illimité d'objets. À l'intérieur, il trouve des équipements de départ, un bâton en bois, des lentilles de contact et d'autres objets restants. Il enfile alors l'équipement pour obtenir l'ambiance autre monde, et il décide de vérifier ses statistiques. Dès qu'il essaie d'ouvrir la fenêtre des statistiques, il remarque une pop-up lui demandant d'utiliser sa compétence de dés, ce qu'il fait. Lorsqu'il lance les dés, il obtient un M sur les deux, et il se demande ce que cela pourrait signifier. Il ne parvient pas à comprendre ce que cela veut dire, et on lui demande dans quelle compétence il souhaite attribuer ses points. Il pense que les statistiques brutes ne vont pas l'aider à survivre dans ce monde, alors il décide de tout dépenser en chance, et la fenêtre des statistiques s'ouvre devant lui. Il remarque que sa statistique de chance est maximisée, et il réalise que le M de tout à l'heure signifiait max. Il remarque également toutes ses compétences inutiles, et il constate qu'il a deux compétences supplémentaires. L'une d'elles s'appelle solitaire, ce qui signifie qu'il ne peut vivre qu'en étant seul et ne peut pas former de groupe, et l'autre est servitude, qui lui permet de commander les autres. Haruka réalise qu'il ne pourra pas avoir de harem dans ce monde à cause de ses compétences pourries, et il se demande pourquoi aucun de ses camarades n'est là.
Il pense que cela n'a pas d'importance puisqu'il ne peut de toute façon pas former de groupe, et il part en réfléchissant à la façon de s'installer. Il explore la forêt en pensant que la visibilité est vraiment mauvaise à cause de tous les arbres, et il se souvient qu'il a des lentilles de contact dans son sac. Il les met, et dès qu'il les met, il peut voir le nom de toutes les plantes et autres choses autour de lui. Il découvre que ces lentilles de contact lui donnent la compétence d'évaluation, et il pense que cette compétence lui ouvre tout un monde. Il trouve ensuite des champignons comestibles, qui ont également l'effet de révéler des capacités latentes, et il les met tous dans son sac, car celui-ci peut contenir autant d'objets qu'il le souhaite. Il pense qu'il peut trouver tout ce qu'il veut grâce à cette capacité, et il localise une rivière. Il remplit sa bouteille d'eau dedans et étanche sa soif. Il tombe ensuite sur une grotte, et il se tient à l'entrée. Il prie pour qu'aucun monstre ne se trouve ici, puis il entre. Il remarque que c'est plutôt spacieux et confortable, et il pense que vivre ici pourrait être une bonne idée, car il a aussi des tentes et des lanternes. Il utilise ensuite des feuilles sèches et des brindilles qu'il a ramassées plus tôt, et il fait un feu avec sa magie de contrôle de la température. Il pense que cela devrait éloigner les bêtes, et il décide de vérifier ses statistiques avant de dormir. Il remarque que sa magie de température a augmenté de niveau, débloquant la magie de feu, et il a également acquis de nouvelles compétences appelées vision clairvoyante, détection de présence, et suivi d'ennemis. Il pense que cela doit être parce qu'il était à l'affût des monstres, et il commence à s'endormir en se demandant ce qu'il fera si des monstres apparaissent. Il s'endort, et quand il se réveille le lendemain, il remarque qu'il n'y a eu aucun problème. Here is the French translation of your script, Keeping Aruka and Keto and Hands of People. Il explore la forêt en pensant que la grotte va être sa base d'opération pour le moment, et que la prochaine étape consiste à prendre des mesures de sécurité. Il trouve ensuite des herbes et encore des champignons, et il pense que les monstres vont être les plus problématiques. Il détecte alors des présences et remarque que ce sont deux gobelins. Il commence à paniquer et découvre que ces types sont des petites frappes, mais leurs statistiques sont plus élevées que prévues. Il se demande s'il peut les vaincre, et pense qu'il n'a pas d'autre choix que de combattre s'il veut continuer à explorer. Il essaie d'envelopper sa canne avec son pouvoir de packing, qui enrobe tout de magie et leur confère diverses capacités. Il pense que ça fonctionne assez bien, et il décide de travailler dur pour surpasser ses camarades qui ont des compétences Shea. Il charge ensuite sur les gobelins avec son bâton lumineux et parvient à en vaincre un avec facilité. L'autre l'attaque, mais il réussit à esquiver ses attaques, car elles sont trop monotones, et il le neutralise avec un rayon sortant de sa canne. Le jour se transforme ensuite en soirée, et Aruka se nettoie à la rivière. Il est heureux d'avoir survécu à son premier combat et pense que c'était une bonne journée aujourd'hui. Il retourne à sa grotte, épuisé, et mange quelques champignons. Il remarque une massue en bois qu'il a obtenue du gobelin, et il pense que c'est inutilisable, car sa portée est trop courte et elle est un peu trop lourde pour lui. Il trouve que son bâton est mieux que ça, et il vérifie ses statistiques en constatant qu'il a monté de niveau. Il trouve cela étrange car il a juste frappé quelques monstres avec son bâton, mais il est content malgré tout. Il remarque une nouvelle compétence appelée infusion magique, et découvre que son niveau de gymnastique a également augmenté. La scène passe ensuite au troisième jour, et Aruka en a déjà marre de manger des champignons tous les jours. Il a envie de viande, et il se souvient que la déléguée de classe se mettrait sûrement en colère contre lui s'il disait quelque chose comme ça. Il avale les champignons tant bien que mal, puis il vérifie la compétence d'infusion magique qu'il a obtenue l'autre jour. Il découvre que cette compétence peut envelopper son corps de magie et l'améliorer. En plus de cela, elle renforce le contrôle physique et la défense magique. Aruka déclare ensuite que sa compétence d'évaluation a également monté de niveau, atteignant le niveau 2, et il peut maintenant voir des points d'interrogation sur les choses qu'il tente d'évaluer. Remarquant cela, il se demande si sa compétence d'évaluation a été dégradée au lieu d'améliorer. Il arrête d'y penser et se rend dans la forêt pour pratiquer un peu de magie, mais il est rapidement distrait par un champignon et est déçu de ne pas trouver de viande à la place. Il se demande pourquoi la viande ne pousse pas sur les arbres, puis il se souvient qu'il est sorti pour pratiquer sa magie. Il active alors à nouveau sa compétence d'infusion magique et commence à courir dans la forêt en se sentant vraiment léger. Il remarque que sa dextérité est également hors du commun, et il rencontre des gobelins légèrement plus forts que ceux qu'il a affrontés l'autre jour. Il peut les vaincre plus facilement que la veille, et il pense qu'il pourrait maintenant combattre trois gobelins à la fois. Mais il tombe sur trois gobelins musclés et se cache immédiatement. Il s'éloigne discrètement en comprenant sa position, puis continue à chasser des gobelins pendant la journée et à étudier la magie la nuit pendant les jours suivants. Le cinquième jour, il parvient à vaincre un gobelin d'un seul coup, et il rénove sa grotte maison avec une porte et quelques meubles pas très chics. Ensuite, on le voit enfin chasser un lapin pour avoir de la viande la nuit, et il réussit à attraper ce maudit animal.
Il est heureux en pensant qu'il va enfin pouvoir manger de la viande aujourd'hui, mais il sent quelqu'un s'approcher. Il découvre que c'est le groupe de filles de sa classe, et il ne veut pas s'impliquer avec elles. Il détecte d'autres personnes autour de lui et remarque les délinquants, mais il ne veut pas non plus se mêler à eux. Grâce à sa clairvoyance, il découvre que les autres groupes de sa classe sont également là, y compris le groupe de la déléguée de classe. Il ne veut pas s'impliquer avec les autres groupes, mais il pense qu'il devrait au moins dire bonjour à la déléguée de classe, puisqu'il la connaît depuis la première année de l'école primaire. Cependant, il arrête de se comporter comme un simple et pense qu'il se sent vraiment libre et isolé en ce moment. Il peut vivre comme il l'entend, sans que personne ne se mêle de sa vie s'il continue ainsi, et il décide de conquérir cet autre monde par lui-même. Il remarque ensuite que les délinquants se rapprochent dangereusement, et ils se cachent dans les buissons à proximité. Juste à ce moment-là, les délinquants entendent un bruit provenant de certains buissons, et ils décident d'aller vérifier. Alors qu'il s'approche de Haruka, il se prépare à être découvert, mais il a de la chance car les délinquants ne trouvent que le lapin qu'il avait relâché plus tôt, et celui-ci s'enfuit. Il quitte ensuite la zone, en pensant que c'était décevant. Ensuite, on voit les délinquants réunis autour de la rivière en train de parler de quelque chose, et Haruka les espionne. Il essaie d'écouter leur conversation, en espérant ne pas avoir à s'impliquer avec eux. Il découvre qu'ils ne font que des discussions perverses sur les filles de leur classe, et l'un d'eux déclare que la poitrine de la vice-présidente de classe est grande même dans un autre monde. D'autres sont plus intéressés par les filles du club de natation, et Haruka s'inquiète pour les filles, mais il pense qu'elles iront bien puisque la déléguée de classe est avec elles, et qu'elle saura voir à travers leurs intentions tout de suite. Il explique que la déléguée de classe est quelqu'un qui a toujours maintenu les idiots de leur classe en ligne depuis la première année. Les délinquants demandent alors à un des nerds qu'ils ont avec eux, s'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs compétences. Le nerd nommé Tanaka leur dit qu'ils peuvent, et il lui demande de leur en apprendre davantage sur leurs compétences. Haruka remarque Tanaka, et il pense qu'il est utilisé comme un moteur de recherche par les autres pour obtenir des informations sur les compétences et autres choses d'Izuke. Les délinquants partent ensuite avec des plans pervers en tête, et voyant la direction dans laquelle ils se dirigent, Haruka réalise que ses camarades doivent se trouver en amont de la rivière, mais il préfère partir en pensant qu'il préfère être seul. De retour dans sa grotte, il remarque que sa compétence de solitaire est passée au niveau 2, et il réalise que c'est parce qu'il s'est caché de ses camarades. Il est content que son titre de NIT n'ait pas monté de niveau, mais il est déçu parce qu'il a vraiment des titres de travail nuls. Il remarque qu'il est monté au niveau 3, et il pense que ses compétences de Master of None et Blockade rendent difficile sa montée en niveau, mais il ne sait pas à quoi servent ses compétences. Il sait que Master of None l'empêche de se concentrer sur une seule tâche, mais qu'il peut faire d'autres choses assez bien, et Blockade fait référence à une marionnette, qui est fondamentalement inutile. Il décide de ne pas trop réfléchir à cela et de noyer son chagrin dans la nourriture, mais il est déçu de manger des champignons encore une fois, souhaitant qu'il puisse manger de la viande ou du poisson. La scène passe ensuite à lui, allongé dans son lit la nuit, et il entend des bruits de combat venant de l'extérieur de sa grotte. Comme il ne peut pas dormir à cause des bruits, il décide de sortir et de vérifier ce qu'il se passe, en pensant que les enfants sages devraient être endormis à cette heure. Il espère que ce ne sont pas les délinquants, et il est surpris de voir les nerds entourés de gobelins et travaillant dur pour les combattre. Il remarque qu'ils ont des difficultés et se demande s'il doit les aider, mais avant de faire quoi que ce soit, il vérifie leur capacité avec sa compétence d'évaluation. Il constate qu'ils sont beaucoup plus forts que lui, et il est rassuré de voir qu'ils vont s'en sortir sans son aide. Il voit qu'ils ont également des compétences Shea, contrairement à lui, et il explique que dans leur ancien monde, sa classe était remplie des meilleurs athlètes, des garçons et filles avec les meilleures notes du pays. Il y avait même des enfants de célébrités parmi eux, et c'était un mystère pourquoi il était dans cette classe. Il pense que les nerds devraient être des experts en matière d'un autre monde, et il est sûr qu'ils iront bien. Mais alors qu'il s'apprête à partir, il détecte des gobelins derrière les nerds. Ces derniers ne les remarquent pas, et Haruka décide de les aider. Il élimine les gobelins avec son bâton en bois, et il demande aux nerds s'ils vont bien. Les nerds, qui ont également pris soin des gobelins de leur côté, disent qu'ils vont bien, et ensuite ils se promènent avec Haruka, le remerciant pour son aide. Haruka leur dit maladroitement que ce n'est pas nécessaire, et il pense que cela fait longtemps qu'il n'a pas parlé à quelqu'un, et qu'il a oublié comment parler normalement. Il les emmène ensuite dans sa grotte, et ils sont surpris de voir l'intérieur soigné qu'il a aménagé. Il explique que c'est uniquement parce qu'il est capable d'utiliser la magie de la terre et le packing, et il n'arrive pas à croire qu'il a fait tout cela tout seul. Il trouve que ce n'est pas juste qu'il ait tout ça pour lui, et il leur demande ce qu'il est arrivé à ses autres camarades. Il se demande s'ils sont partis explorer seuls, et il révèle qu'ils sont en fait en fuite. Haruka demande ce qu'il s'est passé, et ils expliquent depuis le début. Ils mentionnent que tout a commencé le jour où ils ont été invoqués dans ce monde. Après avoir été invoqués, ils étaient confus quant à l'endroit où ils se trouvaient. Ils ont rapidement réalisé qu'ils étaient dans un autre monde, comme le vieil homme, un dieu, leur avait dit qu'ils le seraient. Certaines des filles ont commencé à pleurer en pensant à leur maison et à leur famille.
Les autres trouvaient cela ennuyeux et se demandaient ce qu'ils allaient faire, car ils n'avaient aucune idée de ce qui se passe dans un autre monde. Pendant ce temps, les nerds, bien conscients de situations comme celle-ci, ont vérifié leurs statistiques et ont reconnu leurs compétences grâce à celles qu'ils avaient lues dans les mangas. Les délinquants ont demandé aux nerds de leur dire plus sur ce monde où ils allaient les frapper, et la déléguée de classe a réussi à se maintenir, malgré leur situation. Elle a dit aux autres de se calmer, et elle les a mis en garde contre le fait de faire trop de bruit dans la forêt, mais il était déjà trop tard, et des gobelins les avaient repérés. Même la déléguée de classe n'a pas pu rester calme après avoir vu cette situation, et les délinquants étaient terrifiés en voyant les monstres, tout comme certaines filles. Les nerds, qui savaient bien que ces créatures n'étaient que des gobelins, des monstres de bas niveau typiques des romans isekai, se sont préparés à les combattre. Ils ont réussi à utiliser leurs compétences et leurs connaissances pour mener un combat décent, et en les voyant donner le meilleur d'eux-mêmes, les sportifs se sont joints à la bataille, et ensemble, ils ont vaincu tous les gobelins. La déléguée de classe a ensuite proposé de se déplacer vers un endroit plus sûr et avec une meilleure visibilité, et ils sont tous allés à une rivière qui semblait sûre. Ils ont installé un campement là-bas, et les nerds ont appris à tout le monde comment survivre en utilisant les connaissances qu'ils avaient acquises en lisant des mangas et des light novels. La déléguée de classe a assigné des tâches à chacun, et la classe s'est un peu améliorée avec le temps. Tout le monde travaillait ensemble, et ils ont réussi à établir une sorte de foyer dans cet autre monde, mais cela n'a pas duré longtemps. Un jour, les filles en ont eu assez de faire tout le travail manuel et d'autres tâches, et elles ont refusé de travailler. La déléguée de classe a essayé de leur parler, mais elles n'étaient pas disposées à écouter. En les voyant, les autres ont commencé à esquiver le travail aussi, et ils ont pensé à faire tout le travail aux nerds puisqu'ils sont meilleurs à cela. Même si la déléguée de classe a fait de son mieux, il n'y avait aucun moyen de les convaincre. La déléguée de classe s'est alors demandé pourquoi cela s'était terminé ainsi, et elle s'est effondrée. À partir de ce moment, la déléguée de classe, les intellos et quelques autres personnes faisaient tout le travail, tandis que les autres traînaient au camp. Les intellos n'étaient pas contents de cette situation, et ils devaient même combattre des monstres pour augmenter leur niveau. Ils se souvenaient que certains des délinquants avaient choisi les compétences de fascination et de manipulation, qui permettent de contrôler les autres, et ils étaient déterminés à devenir suffisamment forts pour que ces compétences n'aient pas d'effet sur eux. Pendant ce temps, Tanaka expliquait aux délinquants tout ce qu'ils voulaient savoir sur leurs compétences spéciales pour contrôler les autres, et eux aussi augmenter secrètement leur niveau en combattant des monstres la nuit. Ils ont révélé qu'ils devaient d'abord monter en niveau pour débloquer les compétences de manipulation et de fascination, mais à leur insu, les intellos les surveillaient. C'est ainsi qu'ils ont découvert leur plan de harem, et c'était facile à deviner puisque les délinquants étaient très explicites sur ce qu'ils voulaient faire aux filles de leur classe. Les intellos ont informé la déléguée de classe de cela, et elle a décidé de monter en niveau également. Quelques jours plus tard, les délinquants ont réussi à débloquer les compétences nécessaires et ils étaient ravis de pouvoir enfin réaliser leur rêve tant attendu, mais la déléguée de classe est intervenue au bon moment. Ils ont essayé de l'agresser et d'utiliser leurs compétences sur elle, mais quelques instants plus tard, les délinquants ont été retrouvés étendus sur le sol, incapables de bouger. Les intellos ont alors utilisé leurs compétences de scellement pour sceller les capacités indécentes des délinquants, et avec leur plan sinistre dévoilé, ils ont été expulsés du camp. Les délinquants n'étaient pas contents de cela, et bientôt ils ont lancé une attaque contre le camp. Ils ont attaqué leurs propres camarades sans distinction et incendié leur camp. Ils sont ensuite partis en disant qu'ils reviendraient, et les intellos étaient déçus de voir les choses qu'ils avaient tant travaillées être détruites comme ça. Les filles ont alors blâmé les intellos pour tout ce qui s'était passé, et elles ont dit que tout cela s'était produit parce qu'ils avaient cherché querelle aux délinquants. Les autres se sont joints à elles comme une bonne foule, mais la déléguée de classe a défendu les intellos, sachant bien qu'ils n'étaient pas à blâmer. Une poignée d'autres étudiants est aussi restée de leur côté, mais les intellos ont tout de même choisi de quitter le camp car la situation devenait gênante. En entendant cette histoire déchirante, Haruka se sent mal pour les intellos, et il mentionne qu'il va les régaler d'un festin, mais il n'a rien d'autre que des champignons à leur offrir. Ils mangent alors tous des champignons, et Haruka passe la journée suivante avec eux en se disant que ce n'est pas si mal de ne pas être seul de temps en temps. Le jour d'après, les intellos quittent sa maison, et il espère qu'ils ne seront pas chassés par leurs autres camarades de classe. Avant de partir, il lui demande une dernière fois s'il est sûr de ne pas vouloir les accompagner, car il se dirige vers la ville voisine pour devenir aventurier. Il lui rappelle qu'il est plus proche de leur groupe que des autres dans toute la classe, car ils partageaient souvent des livres ensemble. Haruka est d'accord avec cela, mais il refuse de les rejoindre, et les intellos partent alors. Tandis qu'ils s'en vont, il pense qu'il est intéressé par la ville, mais qu'il ne ferait que leur compliquer la tâche avec les compétences maudites qu'il a. Il décide alors d'aller voir les autres, car les intellos s'inquiétaient pour la déléguée de classe. En s'aventurant plus profondément dans la forêt, il rencontre un kobold. Le kobold lui mord la main, mais il parvient à le vaincre après quelques difficultés, et il continue d'avancer. La nuit venue, il atteint l'endroit où ses camarades étaient censés camper, mais il est surpris de ne trouver personne. Il se demande s'ils ont déplacé le camp,
et il utilise ses compétences de track pour repérer des empreintes qui lui indiquent où les autres sont allés. Il suit les traces de l'autre côté de la rivière et tombe sur les filles peu après. Il essaie de s'enfuir avant qu'elles ne le remarquent, mais c'est trop tard, car elles l'ont déjà vu. Elles le poursuivent alors qu'il tente de s'échapper, et il est sûr qu'elles vont perturber sa vie de solitaire. Elle lui demande ensuite gentiment de s'arrêter, et il obéit car leur politesse le surprend. Elle lui demande alors s'il sait où sont les intellos, car il est proche de leur groupe, et Haruka se demande pourquoi elle les recherche, demandant si elles veulent qu'il fasse des courses pour elles. Les filles expliquent qu'elles veulent simplement s'excuser auprès d'eux, et Haruka reste sans voix en entendant cela. Elle mentionne qu'elles se sont maintenant rendues compte qu'elles ont mal agi envers les intellos, et que c'est grâce à eux qu'elles ont survécu jusqu'ici. Haruka est troublée de voir ses filles égoïstes s'excuser si intensément, et il leur dit qu'il est trop tard pour elles de les rattraper maintenant. Elle lui demande encore où ils sont, et il se demande si elles peuvent sortir de cette forêt toutes seules et combattre les monstres qu'elles rencontreront en chemin. Il se demande si elles sont vraiment sérieuses au sujet de s'excuser auprès des personnes qui les ont protégées, et il pense qu'elles ne seront qu'un fardeau pour les intellos si elles n'ont pas de véritable détermination. Les filles commencent alors à pleurer en disant qu'elles veulent juste s'excuser, et elles supplient Haruka de leur apprendre comment survivre dans ce monde et retrouver les intellos. La compétence de servitude de Haruka s'active alors toute seule, et il accepte de les aider, transformant les trois filles en ses esclaves. Elles le suivent alors tandis qu'ils naviguent dans la forêt, et les filles ne réagissent même pas quand Haruka leur parle. Voyant cela, il se demande quel genre de compétence est la servitude, et il n'aime pas non plus voir le regard vide des filles. Il trouve effrayant que les filles l'aident également à se battre et lui présentent les pierres de sort des monstres comme s'il jouait à la balle avec un chien. Il remarque alors que la chef des filles est blessée, et il lui donne une potion à utiliser, mais elle l'arrose plutôt de la potion. Haruka est abattu de voir cela, et il pense que ce ne serait pas bon si la déléguée de classe le voyait comme ça. Il se demande comment il pourrait libérer ses filles de l'influence de la servitude, et à ce moment-là, la déléguée de classe arrive. Elle essaie de lui parler, mais il est trop occupé à réfléchir à une solution pour sa compétence de servitude, et il ne remarque la déléguée que lorsqu'elle lui crie dans les oreilles. Pendant ce temps, on voit que les délinquants planifient toujours de réaliser leurs ambitions sinistres avec les filles, et qu'ils décident d'éliminer ceux qui se mettront sur leur chemin en premier. Haruka se demande alors ce que fait la déléguée de classe ici, et elle lui demande de l'appeler par son prénom puisqu'ils se connaissent depuis longtemps. Les filles qui accompagnaient la déléguée arrivent également, et elles mentionnent que la déléguée allait un peu trop vite. On remarque qu'elles sont vraiment fatiguées. Haruka s'aperçoit que ce sont toutes les filles de sa classe, et il réalise qu'à part les filles populaires, elles étaient toutes ensemble. La déléguée remarque alors la chef des filles populaires, nommée Shimazaki, et elle se demande ce qui ne va pas avec elle et les autres filles, car elles ont l'air un peu bizarres. Haruka se demande comment il devrait expliquer cela, et il pense qu'il aimerait bien que quelqu'un d'autre le lui explique d'abord. Ensuite, Haruka lui dit que les filles populaires sont à son service, et la déléguée de classe mentionne que c'est une compétence qu'elles sont censées utiliser sur des monstres. Haruka l'informe que la compétence s'est activée toute seule et qu'il n'a aucune idée de son fonctionnement. Les autres filles le regardent avec scepticisme, et leur regard lui donne des frissons. Il essaie alors de partir, mais les filles l'arrêtent, et la déléguée de classe se demande pourquoi il veut partir comme ça. Haruka n'est pas content de cela, car il veut retrouver sa vie de solitaire, et la déléguée demande à Shimazaki si elle va bien en la secouant. Shimazaki reprend ses esprits et dit qu'elle va bien, et la déléguée est contente de la voir revenir à la normale. Elle mentionne qu'elle sait qu'il est inutile de demander à Haruka ce qui s'est passé, donc elle va plutôt interroger Shimazaki, et pendant qu'elle questionne Shimazaki, Haruka essaie de partir, mais la déléguée lui dit de rester tranquille. Haruka s'ennuie en restant assis silencieusement, alors il décide de profiter de ce temps pour s'entraîner à agrandir sa base. Il utilise ses compétences, pensant qu'il pourrait réussir à faire un sous-sol dans sa maison, mais il y met un peu trop de magie et finit par creuser dans le sol. Haruka se demande comment cela a pu arriver, et elle lui dit qu'elle lui avait demandé de rester tranquille. Il l'informe qu'il essayait juste de tuer l'ennui, et elle le tire de là. Elle lui dit que Shimazaki lui a raconté tout ce qui s'était passé et qu'elles ont confirmé qu'Haruka essayait simplement de les aider. Haruka pense qu'il n'a jamais dit quelque chose comme ça, et les filles le remercient. Il ne se soucie pas vraiment de cela et se demande s'il peut rentrer chez lui maintenant, mais les filles lui rappellent qu'il est censé les aider. La déléguée se demande ce qu'il veut dire par chez lui et demande, un peu confuse, s'il est né dans ce monde. Il dit qu'il s'est fait une maison parce qu'il avait un peu de temps libre, et la déléguée est convaincue que les maisons ne sont pas quelque chose que l'on fait pendant son temps libre. Les autres filles sont jalouses d'apprendre qu'il a une maison, et elles tiennent une réunion pour discuter de leur plan d'action, laissant Haruka attendre. Pendant la réunion, la déléguée lui demande combien de personnes peuvent tenir chez lui, et il mentionne que sa chambre peut accueillir environ 240 personnes. Il précise qu'il pourrait en accueillir plus s'il retirait les meubles et incluait la salle de bain, la cuisine et les toilettes. La déléguée est jalouse du fait qu'il ait le luxe d'avoir un bain et une cuisine, et elle pense qu'il vit une vie complètement différente de la leur,
car elle peine à survivre. Les filles demandent ensuite à la déléguée de demander quelque chose à Haruka, et la déléguée lui demande timidement s'il est possible qu'elle puisse rester chez lui une journée. Haruka est choqué d'entendre que les filles de sa classe veulent passer la nuit chez lui, et il ne peut s'empêcher d'avoir des pensées perverses à leur sujet. Il mentionne que les filles de nos jours sont scandaleuses, et la déléguée lui répond que c'est lui qui a des pensées scandaleuses. Ensuite, Haruka conduit les filles chez lui, et elles arrivent après avoir voyagé un moment. Une fois à la maison, on voit que les filles sont fatiguées par la longue marche, et Haruka les accueille chez lui. Elles sont ravies de voir sa maison, qui a été améliorée depuis la dernière fois qu'on l'a vue, et elles n'en reviennent pas qu'il ait réussi à faire quelque chose d'aussi impressionnant. Haruka leur fait ensuite faire le tour de la maison, mais les filles ne l'écoutent pas et se déshabillent rapidement pour aller au bain. Haruka est surpris de voir cela, et pendant qu'elles se baignent, il se demande si elles ont perdu tout sens de la honte après être restées dans la forêt si longtemps. Pendant ce temps, les filles profitent du bain, et une fois qu'elles ont fini de manger, on voit Haruka dormir dehors dans sa tente. Il est ravi d'être enfin seul et pense qu'il n'apprécie pas vraiment être entouré de tant de monde. La déléguée de classe vient alors le voir et le remercie de les avoir aidés. Elle explique qu'après le départ des intellos, les garçons ont aussi abandonné les filles, et c'était une situation inquiétante pour tout le monde. Grâce à Haruka, les filles se sont calmées, et elles se sentent beaucoup mieux grâce aux chambres, à la nourriture et au bain. Elle est déçue de ne pas avoir pu aider qui que ce soit, même si elle est la déléguée de classe, et Haruka lui dit que ce n'est pas vrai, car elle a protégé les filles jusqu'à maintenant, et elle l'a encore fait aujourd'hui. La déléguée est sur le point de pleurer en pensant qu'elle n'a pas fait grand-chose comparé aux intellos, mais Haruka la réconforte en disant qu'elle ne devrait pas se comparer à ces gars, car ils se préparaient à être invoqués dans un monde comme celui-ci depuis le début. Il mentionne qu'il serait plus étrange qu'elle puisse faire tout ce qu'ils font, et il l'avertit de ne pas les prendre comme référence. Il dit qu'ils sont les étranges dans l'histoire, et cela fait beaucoup de bien à la déléguée. Elle dit à Haruka qu'il est incroyable d'être aussi positif, et elle se rend compte qu'il est encore plus bizarre que le groupe d'Oda, car il a une maison et peut même vaincre des monstres facilement, ce qui blesse un peu Haruka. La scène se coupe ensuite aux filles qui dorment calmement dans la maison d'Haruka, et de l'autre côté, on voit qu'Haruka a du mal à dormir, car il a beaucoup de filles magnifiques à proximité. Le lendemain, nous voyons l'une des filles réveiller Haruka en lui demandant de venir prendre le petit déjeuner, et Haruka se demande ce qu'il se passe. La fille s'approche de lui alors qu'il essaie de se lever, et il lui demande de lui accorder encore 30 minutes de sommeil. La fille grimpe alors sur lui et se demande s'il a l'intention de se lever. La proximité rend Haruka embarrassé, et il change de sujet en lui demandant ce qu'ils ont pour le petit déjeuner. Elle lui dit qu'ils ont du poisson grillé et des champignons, et il s'excite en entendant cela, ce qui le fait accidentellement donner un coup de tête à la fille. Nous voyons ensuite Haruka manger du poisson, et il est tellement content d'en avoir après si longtemps qu'il en pleure. Les filles pensent qu'il exagère et expliquent qu'elles peuvent obtenir autant de poissons qu'elles veulent puisqu'elles vivent près d'une rivière. Haruka mentionne qu'il le sait, mais qu'il ne pouvait rien faire d'autre que regarder les poissons jusqu'à présent, car il n'a aucune idée de comment les attraper. Il explique qu'il a fait de son mieux, mais que les poissons lui échappaient des mains. Il se demande si elles ont un moyen de les attraper, et la scène coupe sur l'une des filles utilisant sa magie de foudre dans la rivière pour électrocuter les poissons. Haruka découvre que c'est ainsi qu'elles attrapent les poissons et lui demande de lui montrer à nouveau. Elle lui dit de bien faire attention cette fois, et quand elle prépare son sort de foudre, Haruka utilise sa compétence de stockage pour le capturer. Il le relâche ensuite dans l'eau, électrocutant les poissons lui-même. Cela lui permet également d'apprendre la magie de foudre, et la fille se demande ce qu'il est advenu de sa magie. La déléguée de classe interroge Haruka à ce sujet, et il explique qu'il a appris la magie de foudre en utilisant sa compétence de stockage, et la déléguée pense que c'est de la triche. Haruka explique que cela pourrait être la synergie entre ses compétences de stockage et de maître de rien, et la déléguée dit que c'est super utile s'il peut ainsi prendre la magie des autres. Haruka lui répond que ce n'est pas si impressionnant, car les compétences qu'il a sont celles qui restaient, puisque les autres ont pris toutes les bonnes compétences. Ensuite, les filles jouent dans l'eau, et Haruka demande à la déléguée de classe si elle a décidé de ce qu'ils vont faire maintenant. Elle mentionne qu'elle pense se diriger vers la ville la plus proche, et Haruka se souvient que les filles populaires sont toujours en train de traquer les intellos. Les filles, agacées, précisent qu'elles ne les traquent pas, et la déléguée de classe pense qu'elles devraient monter de niveau un peu avant de quitter la forêt. Haruka pense qu'elles devront effectivement monter de niveau si elles veulent traquer les intellos, et les filles populaires s'énervent encore plus en disant qu'elles ne cherchent pas à se battre. Haruka propose de les aider à monter de niveau si elles le souhaitent, et plus tard, on le voit leur demander quels sont leurs niveaux actuels avant de les entraîner. Elles annoncent tous leurs niveaux, et Haruka découvre que leur niveau varie de 16 à un peu plus de 20, et il est déçu d'entendre cela puisqu'il est toujours au niveau 7. Les filles lui demandent ensuite de commencer rapidement, car elles s'ennuient, et c'est à ce moment-là qu'il remarque trois kobolds cachés à proximité. Il les révèle et annonce qu'ils vont commencer par combattre ces types.
le plus haut niveau des kobolds est 9, et les filles pensent qu'elles devraient facilement gagner contre eux, mais elles perdent spectaculairement. En voyant cela, Haruka pense qu'elles sont nulles, et les filles trouvent des excuses pour leur défaite. Ensuite, on les voit analyser leur combat dans la tente d'Haruka, et il leur dit que ce n'est pas parce que sa tente peut s'agrandir qu'elles peuvent y tenir leur réunion. Elle lui demande de s'asseoir tranquillement, et il s'assoit dans un coin de sa tente. Après la réunion, les filles sont déterminées à ne plus perdre, et elles se préparent à défier les kobolds à nouveau. Haruka pense que c'est bien qu'elle soit motivée, mais il n'est pas sûr qu'elle soit prête pour un second combat. À ce moment-là, la fille de tout à l'heure approche Haruka en s'excusant de l'avoir testée plus tôt. Elle mentionne qu'elle était sceptique, car les garçons de sa classe ont tenté de l'agresser, et cela l'a traumatisée. Elle pensait qu'il pourrait faire la même chose, et Haruka n'arrive pas à croire que les filles aient dû subir de telles horreurs. La fille dit qu'il est différent de ses garçons, car il leur a donné de la nourriture, un endroit où vivre, et leur a même appris à se battre. Elle lui dit qu'elle le réveillera encore demain, et Haruka décide de la surnommer la fille du poisson. Le lendemain matin, alors qu'Haruka mange du poisson, il remarque que les filles se préparent pour un nouveau combat contre les kobolds, mais la déléguée de classe les arrête en leur disant qu'elles doivent d'abord s'entraîner. Elle les fait ensuite combattre des gobelins, et après leur entraînement, les filles défient à nouveau les kobolds. Haruka espère qu'elles vont bien s'en sortir, et il remarque que toutes les filles ne sont pas prêtes à se battre, car certaines font une sieste et d'autres prétendent être malades. Les filles qui sont prêtes à combattre affrontent alors les kobolds et parviennent à gagner en travaillant en équipe. Elles sont ravies que leur entraînement ait porté ses fruits, et la déléguée de classe les félicite pour leur victoire. Haruka mentionne qu'elles l'ont inquiété, mais il est content qu'elles aient pu gagner finalement, et il pense qu'il devrait maintenant pouvoir retourner à sa vie de solitaire. La déléguée de classe le remercie de les avoir aidés et mentionne qu'elles peuvent maintenant se diriger vers la ville avec lui. Haruka pense qu'il n'a jamais dit qu'il les accompagnerait, mais la déléguée de classe lui dit qu'il va venir avec elle et qu'il n'a pas le choix. Ensuite, nous voyons que tout le monde a terminé de faire ses bagages pour leur voyage en ville, et la déléguée se demande s'ils ont bien pris les champignons. Elle remarque qu'ils l'ont fait, mais Haruka essaie d'en ajouter plus dans le sac, et la déléguée lui dit que le sac va éclater s'il continue ainsi. Après avoir vérifié que tout est prêt, ils partent pour la ville, et Haruka dit à la déléguée de classe qu'on ne sait jamais ce qui va se passer ensuite, donc ils devraient s'assurer qu'ils sont prêts à tout. Ailleurs, on voit un homme courir pour échapper à quelqu'un, mais il trébuche et tombe. La personne qui le poursuit le rattrape, et l'homme la supplie d'avoir pitié de lui, disant qu'il n'a pas la compétence qu'il recherche, mais l'homme s'en moque et l'étrangle à mort. Ensuite, nous voyons Haruka errer dans la forêt avec les filles, et il pense qu'il doit les protéger des délinquants, et qu'ils devront d'abord sortir des bois. Il tombe alors sur un ORC, et tandis que les filles se cachent, Haruka combat l'ORC. Il déclare qu'il va leur enseigner quelques notions sur le combat et se précipite vers le monstre pendant que celui-ci l'attaque, mais l'ORC ne voit plus Haruka après l'attaque. On remarque qu'Haruka est caché derrière un arbre, et il rit de la stupidité du monstre. Il se souvient que les intellos lui avaient dit que les ors sont résistants aux attaques physiques, mais qu'ils peuvent être battus avec assez de magie. Il vérifie quelle magie il possède et remarque une compétence appelée magie grandiose. Il découvre que la magie grandiose consiste en magie de feu, d'eau, de terre et de vent, et qu'il les a toutes obtenues grâce à sa compétence de stockage, sauf la magie de feu. Il pense que même les pires compétences peuvent parfois être utiles, et l'ORC finit par le trouver. Il l'attaque, mais Haruka esquive les coups, puis, furieux, lui tape sur la tête en lui demandant de se calmer, mais l'ORC meurt au lieu de se calmer. Haruka est surpris de voir cela, car les attaques physiques ne devaient pas faire de dégâts à l'ORC, et les filles le regardent sévèrement car cela ne leur a rien appris sur le combat. Il rencontre ensuite un autre ORC, et cette fois Haruka utilise la magie de feu qu'il a dérivée de sa compétence de température pour attaquer le monstre, et cela le vainc. Haruka est de nouveau surpris, et les filles disent qu'elles ne peuvent rien apprendre s'ils tuent simplement les monstres en un seul coup. La scène se coupe ensuite sur les filles en train de dîner le soir, et Haruka fabrique des pièges autour de leur campement pour piéger les monstres s'ils essaient de les attaquer. Il pense que sa tente peut aider à éloigner les monstres et à les percevoir, et que combiné avec les pièges, cela devrait suffire à protéger les filles. Il consulte ensuite la carte qu'il a obtenue grâce à sa compétence d'évaluation, et il remarque que la rivière commence à tourner plus loin, se demandant quelle route il devrait prendre à partir de là. Soudain, sa perception détecte quelque chose, et il part vérifier en pensant que ce pourrait être des monstres, mais il remarque des humains, et il suppose qu'ils pourraient être les délinquants, mais ce sont en réalité les sportifs. Haruka est content que ce ne soit que eux, et la déléguée de classe les remarque en train de discuter avec Haruka. Il leur demande pourquoi ils sont ici et se demande s'ils sont après les filles. Ils lui disent qu'ils ne poursuivent pas les filles, mais qu'ils sont venus le trouver. Ils se demandent s'ils sont maintenant intéressés par les garçons, mais ils répondent que non, et Haruka leur demande pourquoi ils se cachent des filles alors.
Ils révèlent qu'ils ne peuvent faire confiance à personne pour le moment et rappellent à Haruka qu'il y avait une compétence plus terrifiante que marionnettiste et charme parmi celles qu'on leur a montrées. Haruka réalise qu'il parle de la compétence détournement, et les sportifs déclarent que les délinquants ont fait toute une histoire à propos des compétences charme et marionnettiste, mais n'ont jamais mentionné détournement, ce qui signifie qu'ils ne l'ont pas, donc quelqu'un d'autre pourrait l'avoir. Haruka fait semblant d'avoir cette compétence pour effrayer un peu les sportifs, mais ceux-ci lui disent qu'il serait bien s'il avait cette compétence. Il lui demande ensuite s'il l'a vraiment, et il leur dit que non, mais qu'il a appris la compétence soumission. Il trouve que c'est encore pire, mais sont sûrs que ça ira tant que c'est un solitaire comme lui qui l'a, car il sera toujours seul. Haruka mentionne qu'il n'y a rien de mal à être un solitaire, et les sportifs lui disent que tout ce qu'il voulait, c'était le prévenir à propos de la compétence détournement, et ils lui demandent de faire attention. Ils disent qu'ils vont surveiller les délinquants maintenant, et ils demandent à Haruka de s'excuser auprès de la déléguée et des filles pour eux. Il comprend, et ils partent, et on voit que la déléguée de classe a tout entendu. Le lendemain, Haruka dit aux filles qu'ils vont retourner dans la forêt, et il leur demande de se préparer. Elles comprennent, et en les voyant si enthousiastes à l'idée de combattre, Haruka se demande si elles ont mangé quelque chose de bizarre aujourd'hui. Alors qu'ils s'éloignent des autres filles, la déléguée de classe demande à Haruka si elle peut lui parler en privé, et une fois seule, elle essaie de parler de ce que les sportifs lui ont dit. Haruka se souvient qu'ils lui ont demandé de s'excuser pour eux, et il le fait, mais la déléguée veut parler d'autre chose, et elle semble hésitante. En voyant son comportement, Haruka comprend ce qu'elle veut dire, et il révèle qu'elle est celle qui possède la compétence détournement. Elle se demande comment il l'a découvert, car c'était un secret entre elle et le groupe des intellos, et il lui répond qu'il n'a eu besoin que d'un seul regard pour le comprendre. Il n'arrive pas à croire que les sportifs étaient trop bêtes pour s'en rendre compte, et la déléguée de classe lui demande pourquoi il l'a aidé s'il savait cela. Elle lui demande s'il n'a pas peur d'elle, et il répond qu'il n'a aucune raison d'avoir peur. La déléguée de classe explique que détournement est une compétence qui permet de voler les compétences de quelqu'un en prenant sa vie, et que n'importe qui aurait peur de cela. Haruka dit qu'il n'a pas de raison d'avoir peur, et qu'il est sûr que les intellos ressentaient la même chose que lui. Ils ont scellé les compétences marionnettistes et charmes, mais ont laissé la sienne tranquille, ce qui lui dit tout ce qu'il a besoin de savoir. Elle ne comprend pas ce qu'il veut dire, et il lui explique que les intellos étaient en réalité soulagés que ce soit elle qui ait obtenu cette compétence. Il dit qu'il ressent la même chose, et la déléguée de classe éclate en larmes de joie en entendant cela. Haruka lui dit qu'elle n'arrête pas de pleurer ces derniers temps, mais elle lui répond que tout est de sa faute, et il s'enfuit joyeusement de peur d'être accusé. Ensuite, nous voyons les étudiants faire une pause après avoir voyagé un certain temps, et Haruka apporte du jus pour tout le monde, mais il leur demande de l'argent pour rigoler. La déléguée de classe se fâche en entendant cela, et elle lui dit d'arrêter de faire payer ses amis. Ils continuent ensuite leur voyage, et Haruka pense qu'ils sont en avance sur leur programme, mais qu'ils devront encore camper ce soir. Ils trouvent ensuite la rivière et pensent que c'est une bonne occasion d'essayer quelque chose. Ils demandent à la déléguée de classe et aux autres de s'occuper des choses ici pendant qu'il part en éclaireur, et la déléguée propose de l'accompagner, mais il lui dit de surveiller les choses ici, et il part en courant. Après avoir parcouru une certaine distance, il utilise sa compétence d'enveloppement pour se couvrir de magie, et utilise également la magie de poids pour s'alléger, sautant ainsi sur les arbres. Il profite de son poids réduit pour sauter rapidement d'un arbre à un autre, et il pense que ses compétences sont vraiment pratiques. Dans son excitation, il saute un peu trop haut et est stupéfait de voir le paysage, mais il commence bientôt à tomber sans avoir de moyen d'amortir sa chute. Il s'écrase face contre terre et survit de justesse, pensant qu'il serait mort s'il n'avait pas utilisé l'enveloppement magique pour se protéger. Il revient ensuite auprès des filles la nuit alors qu'elles campent, et la déléguée de classe se demande comment il a pu se faire autant de blessures juste en faisant de la reconnaissance. Il lui explique qu'il a sauté un peu trop haut dans son excitation et qu'il est tombé face contre terre. La déléguée de classe se fâche en l'entendant se comporter comme un idiot, et il essaie de la calmer en lui offrant des bails, mais elle quitte simplement la zone. Le lendemain, il progresse bien grâce à la reconnaissance qu'Haruka a effectuée la veille, et il rencontre de nombreuses situations à la fois amusantes et effrayantes, mais ils parviennent à s'en sortir facilement. Après un peu plus de voyage, ils réussissent à sortir de la forêt, et les filles sont ravies de voir les plaines devant elles, pensant que la ville ne doit plus être très loin maintenant. Haruka pense qu'il doit être plus vigilant maintenant qu'ils sont en plein air, et il remarque que les collines devant lui bloquent sa vue. Il vérifie ensuite ses statistiques et découvre qu'il a une nouvelle compétence appelée marche aérienne. Il l'utilise pour littéralement marcher dans les airs, et la déléguée de classe est surprise de le voir si haut. Elle l'appelle, mais il est trop absorbé par le test de sa nouvelle compétence pour l'entendre. Après un moment, il la remarque, et elle se demande s'il va bien à une telle hauteur. Il dit que tout ira bien, et mentionne qu'il va juste s'assurer que tout est en sécurité dans la zone. Il inspecte alors les environs et trouve des gens attaqués par des monstres. Il informe la déléguée de classe à leur sujet, et elle dit qu'ils doivent les aider,
Mais Haruka pense que juste parce qu'ils se font attaquer par des monstres, cela ne signifie pas nécessairement que ce sont de bonnes personnes. Il sait que les filles sont trop confiantes, et la déléguée veut envoyer leur plus rapide pour sauver ces gens, mais Haruka mentionne qu'ils n'y arriveront pas même en courant. Il se demande ce qu'ils feront si ces personnes sont en réalité des bandits, et il dit qu'il est plus prudent de les laisser tranquilles, mais la déléguée lui répond qu'elle s'en occupera si ce sont des bandits. Elle mentionne qu'elle veut les aider s'ils ne le sont pas, et Haruka pense qu'il savait qu'elle dirait cela. Il dit qu'il ira les sauver dans ce cas, et elles sont surprises de l'entendre. Il réalise alors qu'il ne pourra pas courir là-bas à temps, et que l'enveloppement magique et la magie de poids qu'il a utilisée hier ne suffiront pas. Il se rend compte qu'il devra essayer quelque chose de nouveau, et utilise l'enveloppement magique pour augmenter ses capacités physiques et la magie de poids pour s'alléger. Il utilise ensuite la magie du vent pour se propulser vers les personnes de l'Iseke, et la déléguée de classe est emportée par sa magie de vent. Tandis qu'Haruka vole dans le ciel, il frappe l'air avec la marche aérienne pour se propulser encore plus loin, et il pense qu'il peut aller où il veut avec ses compétences. Il remarque ensuite la déléguée de classe accrochée à lui et se demande ce qu'elle fait là. Elle lui explique qu'elle a été emportée par sa magie de vent plus tôt, et elle lui demande d'arrêter car ils sont déjà arrivés à destination, mais Haruka lui dit qu'il n'a jamais appris à s'arrêter, et il s'écrase directement sur les monstres qui attaquaient les gens. Cela bat les monstres, et Haruka demande aux gens s'ils vont bien. Il pense qu'il devrait lui poser cette question, et il le remercie de les avoir sauvés. Le chef du groupe se présente comme Ofte, et son ami se présente comme Gatek. Haruka est content que la barrière de la langue ne soit pas un problème ici, et il leur demande pourquoi ils se faisaient attaquer par des monstres. Ils expliquent que les marchands ont été attaqués dans cette zone récemment, et que la guilde des aventuriers a lancé une quête pour les exterminer. Ils pensaient que ce serait de l'argent facile, alors ils ont pris la quête, mais ils étaient complètement dépassés. Haruka fait alors un commentaire sur le loup énorme, et il découvre qu'il s'agissait d'un monstre appelé le Grand Loup Vert. Ofte dit ensuite à ses compagnons de rassembler ce qui reste de leurs affaires, et ils ne sont pas contents d'avoir échoué à leur mission. Haruka pense ensuite qu'il n'y a rien à faire jusqu'à ce que les filles arrivent, alors il cuisine des champignons pour les aventuriers. Ils mangent les champignons et découvrent qu'il s'agit de champignons d'endurance. Ils n'en reviennent pas qu'ils partagent quelque chose d'aussi rare avec eux, et Haruka est surpris que ces champignons soient rares. Il apprend que ces champignons peuvent restaurer l'endurance de quelqu'un et aider à guérir leurs blessures. La déléguée de classe se réveille ensuite, et après un moment, les filles les rejoignent également. Elles sont surprises de voir un vrai elfe et un chevalier, et elles se rassemblent autour d'eux comme s'ils étaient des modèles. Les aventuriers les guident ensuite vers la ville, et après un moment, la ville d'Omui apparaît enfin à l'horizon. Les filles courent vers la ville avec joie, et ils y entrent tous en même temps. La scène coupe ensuite sur les délinquants en train d'augmenter leur capacité, et une fois qu'ils ont terminé, ils pensent qu'ils sont prêts à poursuivre les filles maintenant. Tanaka leur dit de d'abord s'en prendre aux intellos, car ils peuvent les utiliser pour débloquer leurs compétences de marionnettiste et de charme, et les délinquants aiment cette idée, donc ils sont d'accord avec lui, mais ils ne savent pas que les sportifs écoutent leur plan. Les filles remarquent alors que la ville d'Omui ressemble totalement à un village d'Izuke, et elles pensent que c'est vraiment amusant et vivant, mais Haruka n'est pas du même avis, car il se sent décalé en étant un solitaire. Les filles commencent alors à explorer les étals de la ville, mais la déléguée de classe leur dit d'arrêter en précisant qu'elles ont encore des choses à faire. Haruka pense alors que maintenant qu'il a escorté les filles en toute sécurité ici, elles n'auront plus besoin de lui. Ensuite, certaines filles pensent que les bâtiments ici ressemblent à des cupcakes, et elles essaient de vérifier s'ils sont comestibles, mais la déléguée de classe les arrête. Elle demande de l'aide à Haruka, mais elle remarque qu'il se détend en buvant du jus. Elle lui dit avec colère qu'elle sait que c'est un poids en moins pour lui, mais elle lui reproche de se détendre un peu trop, et elle souffle dans son sifflet pour aligner les filles instantanément. En voyant cela, Haruka pense qu'elle les a dressées comme des chiens et il est certain qu'elle saura gérer la situation désormais. La déléguée de classe briefe alors tout le monde sur leur plan pour la suite, précisant qu'ils vont d'abord se rendre à la guilde des aventuriers pour y vendre tout ce qu'ils ont rassemblé jusqu'à présent. Ils s'inscriront ensuite à la guilde, puis iront à l'auberge pour se reposer. Elle mentionne qu'ils pourront également se renseigner sur Oda et les autres dans le même temps, mais les filles n'aiment pas la façon dont elles présentent cela comme une tâche secondaire. La déléguée de classe précise qu'elle ne voulait pas dire cela, et Haruka taquine la chef des filles en lui demandant si elle s'inquiète tant que ça pour eux. Elle répond timidement que c'est tout à fait naturel, et la scène passe ensuite à la guilde. Haruka remarque que les gens à l'intérieur leur lancent des regards méprisants, les prenant pour des débutants pitoyables, et Ofte invite Haruka à entrer en disant que le maître de la guilde veut le rencontrer. Haruka informe la déléguée de classe qu'il va voir de quoi il s'agit, et il lui demande, ainsi qu'aux filles, de s'inscrire en attendant. Il rencontre ensuite le maître de la guilde, et il découvre que, tout comme tout le monde ici, le maître de la guilde a également un visage sévère. Ce dernier s'approche de Haruka, et cela le fait sentir effrayé, mais le maître de la guilde le remercie chaleureusement d'avoir sauvé le groupe d'Ofte.
Après avoir reçu des remerciements, il part, soulagé de ne pas être dans une quelconque difficulté. Il remarque alors un comptoir, et il pense que c'est là qu'ils vendent les pierres magiques. Il demande des informations à la réceptionniste, et en apprenant que c'est bien le cas, il sort tous ses cristaux magiques. La réceptionniste est surprise de le voir sortir les cristaux comme s'ils étaient des bonbons, et elle l'informe qu'ils vont au moins avoir besoin d'une journée pour les évaluer. Haruka n'y voit pas d'inconvénient, et les filles l'informent alors qu'elles ont terminé leur inscription. Ofte et ses compagnons sont surpris de voir que toutes les filles ont un niveau supérieur à 30, et Haruka remarque que les filles commencent aussi à bien s'entendre avec les autres aventuriers qui leur lançaient des regards méprisants quelques instants plus tôt. Elles disent alors à Haruka que c'est son tour de s'inscrire maintenant, et alors qu'il se dirige à l'intérieur pour s'inscrire, la déléguée de classe enthousiasme tout le monde en disant qu'il va devenir un grand aventurier. Pendant ce temps, la personne qui évalue Haruka remarque qu'il n'a qu'un niveau 9, et elle refuse de l'inscrire comme aventurier, car le niveau minimum pour s'inscrire est de 10. Haruka est déçu d'entendre cela, et il pense qu'il va rester un nit pour le reste de sa vie. Il supplie l'évaluatrice de faire une exception, mais elle n'a aucune pitié pour lui, et elle brise encore plus son cœur en lui disant que le niveau minimum requis pour être dans un groupe est 10, mais s'il envisage d'aventurer seul, il doit au moins être niveau 20 pour s'inscrire, et il obtiendra une crédibilité une fois au niveau 30. Haruka n'en revient pas, et il pense qu'il ne peut même pas former un groupe à cause de sa compétence de solitaire. La déléguée de classe se sent mal pour lui et se dit que, maintenant qu'Haruka est déprimée, c'est son devoir de s'assurer que tout le monde arrive à l'auberge en toute sécurité. La scène se déplace ensuite vers leur arrivée à l'auberge, et il remarque que l'auberge ressemble davantage à un hôtel d'amour. Haruka demande à l'aubergiste à ce sujet en la rencontrant, mais les filles lui disent qu'il ne devrait pas poser une question aussi évidente. Ils entrent ensuite, et découvrent que c'est étonnamment normal, alors ils y dorment pour la nuit. Allongé dans son lit, Haruka pense que les lits sont agréables, mais que la forêt lui manque vraiment. Le lendemain, les filles prennent le petit déjeuner, et la déléguée de classe informe tout le monde que cette ville est sûre, et qu'il y a également de nombreux magasins. Les filles sont ravies de l'entendre, et Haruka pense que les filles devraient bien se débrouiller dans cette ville, et décide de retourner dans la forêt une fois qu'il sera payé pour les cristaux. Ensuite, il reçoit son paiement pour les cristaux à la guilde, et la réceptionniste s'excuse auprès de lui en lui donnant un sac d'argent, disant qu'ils n'en ont plus. Le maître de la guilde explique qu'ils n'ont pas encore terminé l'évaluation du lot de pierres magiques qu'il a apporté, et qu'ils n'ont pas assez d'argent en caisse. Il demande à Haruka s'il accepterait d'être payé en plusieurs fois, ce qui ne le dérange pas. Le maître de la guilde lui remet alors les 8 millions d'espèces disponibles, et Haruka ne pense pas grand-chose de cela au début, mais en comparant avec l'argent de son monde d'origine, il réalise que c'est une grosse somme. La déléguée de classe déclare ensuite qu'ils devraient acheter ce dont ils ont besoin, et tout le monde est enthousiaste à cette idée. Gatek propose alors à Haruka de lui montrer un certain endroit qu'il va sûrement aimer, et Haruka laisse son esprit vagabonder, pensant qu'ils vont se rendre dans un endroit chaud. La déléguée de classe lui dit de se maîtriser, mais Haruka refuse de l'écouter et part avec Gatek. Gatek emmène Haruka dans un magasin d'armes non conventionnelles, et Haruka est déçu de voir cela. Gatek lui explique que cet endroit collectionne des objets spéciaux provenant des donjons, et Haruka remarque que le propriétaire semble être quelqu'un prêt à le voler, mais Gatek lui dit que c'est une bonne personne. Haruka examine ensuite les marchandises et se demande s'il peut en essayer quelques-unes. Le propriétaire du magasin lui permet, et Haruka essaie les équipements dans le magasin les uns après les autres, et il pense qu'ils sont tous utiles. Il ne sait pas quoi acheter, et il remarque un collier. En l'examinant, il découvre que sa description indique s'adapte à 7, et il se rappelle que son set de villageois a la même description depuis que sa compétence d'évaluation a atteint le niveau 5. Il interroge le marchand à ce sujet et apprend que cela signifie que le collier peut combiner jusqu'à 7 objets et utiliser tous leurs effets en même temps. Haruka est surpris d'entendre cela et se dit qu'il en est sûrement de même pour son set de villageois. Il décide d'acheter quelques objets à combiner, mais avant qu'il ne puisse le faire, la déléguée de classe arrive et lui demande s'il a vu l'heure. Il remarque alors qu'il fait déjà nuit dehors, et la déléguée de classe lui dit que tout le monde dort déjà. Haruka lui dit qu'il partira avec elle dès qu'il aura utilisé cette vigne de Gui pour transformer son bâton en sceptre, mais il laisse accidentellement tomber la vigne avec le collier, et tous les objets qu'il vient d'essayer se combinent en un seul. Le propriétaire du magasin se met en colère en voyant cela et précise qu'il est interdit de combiner des objets sans les acheter. Il indique que ces objets valaient 10 millions, et Haruka et la déléguée de classe s'inquiètent en entendant cela, car ils n'ont pas autant d'argent. Gatek demande au propriétaire de baisser le prix, et après avoir supplié un moment, ils réussissent à se sortir de cette situation en payant les 8 millions que Haruka a gagnés aujourd'hui. Le lendemain, Haruka est déçu de ne pas avoir pu acheter tous les objets qu'il voulait, et il est maintenant fauché. Il souhaite sortir et gagner plus de cristaux, mais il explique que les étrangers ne peuvent pas quitter la ville, à moins de devenir aventurier et d'obtenir un permis.
Il mentionne que même la déléguée de classe a perdu confiance en lui après l'incident de la nuit dernière, et il décide de retourner dans la forêt d'une manière ou d'une autre, pensant qu'il n'est pas fait pour la vie en ville. Il enfile ensuite sa cape d'invisibilité qu'il a achetée la veille et essaie de se faufiler devant les filles en l'utilisant. Il réussit à passer sans difficulté, et il enlève sa cape dès qu'il sort de l'auberge. Il se dirige vers le mur de la ville, essayant de le franchir, mais alors qu'il est dans les airs, les filles sportives le remarquent, et il se heurte les bijoux de famille sur le mur. Il se met alors en colère contre les filles pour l'avoir appelée de cette façon, et il remarque qu'une personne de leur groupe manque. Il la voit dans un magasin de vêtements, sur le point d'essayer de nouveaux vêtements en public, car elle est naturiste. Il l'arrête immédiatement, ce qui la rend triste, mais il parvient à la réconforter en lui disant qu'elle va être magnifique dans les vêtements qu'elle va acheter. Son premier plan d'évasion échoue donc, et le lendemain, les filles sont prêtes pour leur première quête. Haruka leur demande s'il peut les accompagner, mais la déléguée de classe refuse, car il a essayé de s'enfuir la veille. Elles partent alors, et Haruka sourit joyeusement après leur départ. Il sort ensuite de la ville en portant sa cape d'invisibilité, et même le garde ne le remarque pas, car il passe juste à côté de lui. Il pense qu'il est enfin libre et enlève sa cape. Il court vers la forêt, et, en chemin, il remarque des gobelins, mais il ne s'arrête pas, pensant qu'il doit retourner dans les bois. Il remarque également une ville détruite, mais cela ne le retient pas non plus, et il tombe alors sur des bandits attaquant une calèche, et, comme dans n'importe quel anime cliché, une fille lui demande de la sauver depuis l'intérieur de la calèche. En entendant sa voix, il s'arrête, pensant qu'il devrait l'aider, mais il estime que son retour dans la forêt est plus important, et il tente de s'enfuir, mais les bandits le remarquent et l'entourent, disant qu'ils ne peuvent pas laisser de témoins en vie. Haruka n'a d'autre choix que de les affronter, et il utilise ses balles de feu pour les brûler. Cela neutralise les bandits, et il pense que sa magie était plus puissante à cet instant, et il se rend compte que cela doit être dû à la combinaison de divers objets avec son sceptre l'autre jour. Les bandits se relèvent alors, pensant que Haruka possède une magie puissante, et ils en déduisent qu'il doit avoir un métier lié à la magie, alors ils décident de l'affronter au corps à corps, mais il les bête aussi dans ce domaine, et ils se demandent quel est son métier. Haruka révèle qu'il n'a pas de métier, et il remarque qu'il n'a qu'un niveau 9, alors ils décident d'utiliser leurs compétences d'armes contre lui, le prenant pour faible. Haruka pense qu'il est en difficulté maintenant, car les compétences d'armes sont puissantes, et les bandits l'attaquent avec leurs compétences en criant leur nom, et Haruka les esquive facilement. Leur habitude de crier le nom de leurs compétences facilite son esquive, et les bandits sont vite essoufflés à force de dire les noms de leurs compétences. Haruka pense alors que les compétences d'armes de ces gars-là étaient impressionnantes, mais en fait pas vraiment. La fille dans la calèche se confronte alors à Haruka et le remercie de l'avoir sauvé. Elle se demande quoi lui dire d'autre et hésite même à le remercier, car il a d'abord essayé de fuir. Elle le remercie tout de même, et il se présente comme Haruka lorsqu'elle lui demande son nom. La fille se présente comme la fille du seigneur d'une certaine ville et lui demande s'il accepterait de l'accompagner pour le reste de son voyage. Haruka n'est pas intéressé, mais la fille propose de le récompenser, et il accepte immédiatement. La scène passe ensuite à eux se dirigeant vers sa ville en calèche, et la fille demande d'où vient Haruka. Haruka ne se souvient pas du nom de la ville dont il est parti, et il explique que c'était une ville vraiment misérable sans rien de bon. Il n'en retient même pas le nom, et continue de dénigrer la ville. En l'entendant parler, la fille commence à se sentir mal, et il lui demande ce qui ne va pas. Elle révèle alors qu'elle est la fille du seigneur de la ville dont il parle, et elle s'excuse d'appartenir à une lignée si insignifiante, se sentant mal à cause de ce qu'il vient de dire. Haruka réalise alors qu'il se dirige actuellement vers Omui, et il demande à la fille de le laisser descendre, mais elle refuse et mentionne qu'elle ne le laissera pas partir tant qu'elle ne lui aura pas prouvé qu'Omui n'est pas misérable du tout, et ainsi son deuxième plan d'évasion échoue aussi. Pendant ce temps, dans la forêt, on voit les sportifs prêts à affronter les délinquants, et juste au moment où le chef des délinquants s'apprête à attaquer, il est poignardé dans le dos par la silhouette encapuchonnée vue plus tôt. Les autres délinquants tentent alors d'attaquer l'homme en capuche, mais il se bat et tue l'un d'eux. Les deux derniers l'attaquent ensemble, réussissant à briser son arme, mais il les tue en utilisant l'arme du chef des délinquants. Voyant cela, les sportifs prennent la fuite, mais l'homme en capuche les rattrape, et ils sont surpris de voir son visage. La scène se coupe ensuite à Haruka et Muriel en route pour Omui. Haruka n'a aucune intention de revenir, il veut juste vivre dans les bois. Muriel espère qu'il ne fera pas toute une histoire, et en voyant son visage boudeur, il décide de rester. Ensuite, nous voyons les deux au manoir du seigneur, et Haruka est surpris de voir une si grande maison. Il jette un coup d'œil autour de lui et remarque un portrait du seigneur et de sa femme. Ne trouvant rien à faire ici, il décide de partir, mais Muriel l'arrête avant qu'il ne puisse le faire, disant qu'elle lui avait demandé d'attendre pendant qu'elle se changeait. Haruka mentionne qu'il pensait attendre dehors, mais elle sait qu'il pensait totalement à s'enfuir. Elle lui dit alors qu'elle va maintenant s'occuper de sa récompense et lui demande d'attendre ici.
la scène coupe alors à un repas où Haruka est invité. En voyant le festin extravagant devant lui, Haruka se jette dessus. Muriel n'aime pas voir cela, et elle demande ensuite à ses servantes de lui apporter sa récompense. Elle lui donne de l'argent, et elle lui remet également une carte d'identité, comme il avait mentionné qu'il n'en avait pas. Elle indique que cela contient son nom ainsi que celui de la ville, mais Haruka n'est pas intéressée par le nom de la ville, ce qui la rend encore une fois furieuse. Elle est mécontente qu'il n'ait même pas complimenté la robe qu'elle a mise pour lui, et le lendemain, nous voyons les filles poser toutes sortes de questions à Haruka sur où il était la veille. Il explique qu'il était au manoir du seigneur, et la déléguée de classe se demande pourquoi il a été invité là-bas. Il sait qu'il ne peut pas vraiment lui dire qu'il a sauvé la vie de Muriel en dehors de la ville, et il évite le sujet. Les filles décident alors de mettre fin à l'interrogatoire et partent pour leur mission. Avant de partir, la déléguée de classe dit à Haruka de ne pas quitter la ville pendant leur absence, et il promet de le faire, mais dès qu'elles partent, il se prépare à quitter la ville, pensant que personne ne peut l'en empêcher maintenant qu'il a une carte d'identité. Cependant, avant de quitter la ville pour de bon, il mange des plats sans champignons et achète des choses chez le marchand douteux qu'il a rencontré plus tôt. Il laisse ensuite un simple message à la déléguée de classe et se rend à la porte de la ville. Le garde lui demande sa carte d'identité, et après l'avoir montrée, il le laisse partir. En quittant la ville, il pense qu'il ne s'arrêtera même pas s'il voit un carrosse attaqué, et il retourne dans la forêt. Une fois là-bas, il se remémore toutes les choses qui lui ont manqué à cet endroit, y compris les monstres, et il prend une grande respiration. Il est impatient de retrouver son foyer douillet, et en chemin, il croise un ORC. Il le bête facilement avec son bâton et trouve étrange de voir un ORC aux abords de la forêt, car il se trouve généralement au fond de celle-ci. Il pense que le bâton qu'il a acheté chez le vendeur douteux fonctionne vraiment bien et remarque tous les objets combinés dans le bâton, pensant que sa vie dans les bois devrait être facile tant qu'il a ça. Alors qu'il avance dans la forêt, il se rend compte que quelque chose ne va pas ici et remarque une tache de sang. Il sait que ça ne peut pas être les nerds, car ils sont experts en matière d'Izuke, et il en conclut que ce doit être les sportifs, car il ne les a pas vus depuis leur dernière rencontre. Il suppose que les délinquants doivent être à leur poursuite et se demande pourquoi ces gars ne sont pas encore sortis des bois. Il utilise alors sa compétence de détection, qui montre les empreintes de pas dans la zone, ainsi que d'autres taches de sang. Il les suit en s'inquiétant pour les sportifs et les trouve gravement blessés et à peine conscients. En les voyant dans cet état, il est à la fois en colère et triste, mais commence par utiliser toutes ses potions de champignons sur eux, espérant que cela aidera à les guérir. Les sportifs se réveillent ensuite et lui demandent s'il va bien. Ils pensent qu'ils devraient d'abord s'inquiéter pour eux-mêmes, et ils mentionnent qu'ils ont un peu gâché les choses, demandant si les filles sont en sécurité. Haruka répond qu'elles s'amusent en ville, et c'est grâce à eux. Il lui demande s'ils pensent que ce qu'ils ont fait a aidé la classe, et il mentionne que oui. Ils expliquent alors toute la situation à Haruka, et il est surpris d'apprendre que les délinquants sont morts. Ils demandent des nouvelles des nerds, et les sportifs n'ont aucune idée. Ils mentionnent que l'homme qu'ils ont combattu était fort, et qu'il n'était même pas de taille face à lui. Il a également volé les armes qu'ils ont obtenues dans la salle blanche, et étant donné qu'il est un génie des mathématiques, il a dû planifier cela depuis le début. Ils expliquent qu'ils savent qu'ils cherchent la déléguée de classe, et ils se demandent comment ils l'ont découvert. Ils disent qu'ils leur demandaient souvent des informations à son sujet, et ils ont réalisé qu'elle possède la compétence de détournement. Haruka explique que détournement permet de voler les compétences d'une personne après l'avoir tuée, et il pense que seuls lui et les nerds savent que la déléguée possède cette compétence, et ils se demandent comment cet homme l'a découvert. Ils expliquent qu'il ne les a attaqués que parce qu'il avait perdu la trace de la déléguée, et qu'il les a épargnés en espérant qu'il chercherait son aide et le conduirait à elle. Ils mentionnent que c'est pour cela qu'ils sont venus ici, espérant renverser la situation contre lui, et ils sont certains qu'il va les rejoindre ici en suivant leur piste de sang. Ils sont convaincus qu'ils peuvent le vaincre s'ils se battent aux côtés de Haruka, mais Haruka pense qu'il n'a aucune raison de se battre contre cet homme, car il veut juste vivre en paix. Cependant, il accepte malgré tout de se battre seul, et même si les sportifs ne sont pas ravis de l'idée, il cède en voyant sa détermination. Haruka leur demande de retourner à Omi et d'informer la déléguée de la situation, et ils partent. Haruka se dit que les choses auraient été plus faciles s'il les avait laissés rester, mais il n'y aurait plus personne pour protéger les filles s'ils meurent tous ici. Il affirme que c'est son rôle de combattre cet homme et décide de s'entraîner avec le temps qu'il a. La scène coupe ensuite aux filles qui cherchent Haruka en ville, mais elles ne parviennent pas à le trouver, et les autres filles disent à la déléguée de classe qu'elle devrait faire demi-tour. Elle mentionne que Haruka va sûrement bien, puisqu'il a aussi laissé une note pour elle, et que jusqu'à son retour, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est attendre et monter de niveau. Dans la forêt, Haruka se rappelle que les sportifs lui ont dit que cet homme possède une compétence d'armes puissante, et il pense que les compétences d'armes sont effectivement puissantes, mais elle laisse l'utilisateur exposé pendant qu'il les utilise, car il ne peut pas les annuler en cours d'utilisation. Il sait qu'il devra trouver une nouvelle compétence pour exploiter cette faiblesse, et il remarque des gobelins se rassemblant autour de la zone à cause de l'odeur du sang. Il trouve étrange que des gobelins si puissants errent en bordure de la forêt, et il les bête en utilisant son bâton.
Il ne gagne toujours pas de niveau et se rend compte qu'il devra affronter un ennemi plus fort. Son sens de perception détecte alors un autre monstre à proximité, et il s'avère que c'est un roi gobelin. Il pense que c'est le moment idéal, car c'est exactement ce dont il avait besoin, et le roi gobelin l'attaque avec sa massue. Haruka esquive grâce à sa cape d'évasion qu'il a combinée avec le bâton, et le roi gobelin continue de l'attaquer, mais Haruka esquive chacune de ses attaques. Haruka pense que cette créature possède une compétence d'arme puissante, et il essaie alors quelque chose de nouveau pour la vaincre. Il combine toutes les compétences qu'il possède pour créer une compétence plus puissante, et il parvient à abattre le roi gobelin d'un seul coup. Il se dit que c'est exactement ce dont il avait besoin, et il réalise que même s'il a des compétences ordinaires, il peut toujours en tirer quelque chose d'impressionnant en les combinant. Un empereur gobelin apparaît alors soudainement derrière Haruka. En voyant qu'il est de niveau 50, Haruka n'est pas certain de pouvoir le vaincre, mais il n'a pas le choix et utilise la même compétence qu'il vient de créer, qu'il nomme compétence improvisée. Il frappe l'empereur gobelin avec, ce qui lui inflige des dégâts, mais pas assez pour le neutraliser. L'empereur gobelin attaque alors Haruka et le griffe, enchaînant les coups tandis que Haruka esquive autant que possible. Il remarque que la créature utilise également sa propre compétence d'arme, et dès qu'il trouve une ouverture, Haruka l'attaque. Cela lui inflige quelques dégâts, mais le monstre utilise de la magie de guérison pour se soigner, et Haruka décide de tenter sa compétence improvisée à nouveau. Avant qu'il puisse le faire, l'empereur gobelin lui assène un coup de taille, l'envoyant valser, et Haruka pense que la situation est critique, mais il sait qu'il ne peut pas abandonner, se rappelant qu'il n'est pas aussi mal en point que les sportifs l'étaient. Il continue de combattre l'empereur gobelin toute la nuit, et lorsque le soleil se lève, on voit qu'il l'a finalement vaincu. On constate qu'il est passé au niveau 11, et la scène se coupe alors à lui, de retour chez lui. Il remarque qu'il a acquis de nouvelles compétences après son dernier combat et comprend maintenant que sa compétence maître de rien rend son processus de montée en niveau plus lent, mais lui permet d'acquérir et de faire évoluer ses compétences plus facilement. Il se dit qu'il n'est toujours pas de taille contre ce type qu'il doit affronter, mais qu'il a développé la compétence nécessaire pour le combat à venir. Il est convaincu que sa compétence improvisée va empêcher cet homme d'utiliser sa compétence d'arme, et il est déterminé à surpasser les compétences surpuissantes de l'adversaire avec ses propres compétences ordinaires. La scène se coupe alors à Haruka rencontrant enfin l'homme en question, le soir même. Il lui dit qu'il savait qu'il finirait par apparaître. Cet homme est révélé être Tanaka, la personne avec qui les délinquants parlaient au début. Pendant ce temps, près d'Omui, on voit les filles retourner en ville après avoir terminé leur quête. Elles s'inquiètent pour Haruka, car cela fait 2 jours qu'il a quitté la ville, et en approchant de la porte de la ville, elles remarquent des gens en piteux état autour. Elles découvrent qu'il s'agit des sportifs, et la déléguée de classe est soulagée de voir qu'ils sont en vie. Elle se demande pourquoi ils sont si amochés, et ils répondent qu'ils vont bien, mais que Haruka est en train de se battre dans la forêt, tout seul. Dans la forêt, Haruka accueille Tanaka dans son humble demeure, et Tanaka lui dit qu'il espérait que les sportifs le mèneraient à la déléguée de classe, mais qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne dans cet endroit misérable. Il a du mal à croire qu'il s'est fait berner par ces imbéciles, et il est exaspéré d'échouer ainsi après avoir tout mis en œuvre pour manipuler les délinquants et diviser la classe. En entendant cela, Haruka comprend que Tanaka planifiait tout depuis le début et lui demande ce qu'il est arrivé aux autres, hormis les délinquants et les sportifs. Tanaka répond qu'ils sont tous morts, et il dit qu'il n'a pas de temps à perdre à discuter, car il doit obtenir la compétence de détournement. Tanaka explique qu'il n'a aucune envie de gaspiller son temps sur un perdant qui n'a que les compétences les plus médiocres, mais Haruka refuse de le laisser partir. Tanaka lui réplique que cela ne concerne en rien un solitaire comme lui, mais Haruka lui répond qu'il a peut-être l'âme d'un solitaire, mais qu'il a quand même des gens qu'il veut protéger. Tanaka déclare alors qu'il devra le tuer dans ce cas. Tanaka lance alors une explosion dans la zone pour créer un nuage de fumée et mentionne que, dans la pièce vide blanche, il s'était assuré que toutes les compétences restantes étaient inutiles. Il se demande si ses compétences sans valeur de Haruka seront capables de l'affronter, et utilise sa compétence appelée Twig sur Haruka tout en l'attaquant avec un sort de terre. Pendant ce temps, la déléguée de classe s'inquiète pour Haruka, découvrant qu'il se bat seul, et elle essaie de sortir pour l'aider, mais les sportifs l'arrêtent, lui disant que Haruka peut s'en sortir seul. Dans la forêt, Haruka esquive l'attaque et remarque que Twig rend ses mouvements plus difficiles. Tanaka utilise alors une attaque souterraine contre Haruka, mais ce dernier les esquive facilement, même s'il est sous l'influence de Twig. En voyant cela, Tanaka pense que Haruka est bien plus habile que ce qu'il attendait, et il déclare qu'avant de le terminer, il aimerait savoir depuis combien de temps Haruka se méfiait de lui. Haruka mentionne qu'il trouvait Tanaka étrange dès le début, car c'était bizarre de le voir avec les délinquants, et il savait qu'il devait y avoir une raison derrière cela. Tanaka est surpris par son sens de l'observation, et Haruka lui demande quand il a imaginé ce plan. Tanaka répond qu'il l'a conçu juste après que la compétence de détournement a été prise, et une fois qu'il a compris comment fonctionnait Twig, son plan était complet. On découvre alors que Twig permet une légère manipulation des cibles individuelles, et c'est ce qu'il a utilisé pour manipuler les délinquants. Tanaka plaque ensuite Haruka au sol et l'attaque avec une boule de feu,
pensant que Haruka devrait être mort maintenant, mais Haruka utilise simplement son bâton pour absorber la boule de feu, révélant qu'il s'agissait d'une compétence du Gui qu'il avait achetée plus tôt, qu'il a découverte en montant de niveau l'autre jour. Haruka passe ensuite à l'attaque, profitant de la surprise de Tanaka, mais ce dernier bloque facilement son attaque et mentionne qu'il ne lui laissera aucune ouverture. Il déclare que cela n'a pas d'importance si sa magie offensive n'a pas fonctionné et se demande quelle arme il pourrait utiliser pour tuer Haruka. Il invoque toutes les armes qu'il possède, indécis sur celles à utiliser, et décide de tout utiliser contre Haruka. Il commence à attaquer Haruka, changeant d'arme à chaque coup, ce qui rend difficile pour Haruka de comprendre le schéma d'attaque, mais il parvient tout de même à esquiver et bloquer les attaques tant bien que mal. Tanaka parvient ensuite à toucher Haruka avec une de ses attaques, l'envoyant valser, et lui demande s'il a envie d'abandonner maintenant. Haruka pense que la situation est critique, car il ne peut pas suivre toutes ses attaques différentes, ce qui l'empêche de profiter des ouvertures offertes par les compétences d'armes. Il réalise que si Tanaka peut utiliser toutes ses compétences d'armes, il doit avoir la compétence Copica, qu'il a utilisée pour copier les compétences de leurs camarades de classe. Tanaka est surpris qu'il le sache et mentionne qu'il en a entendu parler par les sportifs. Haruka se rappelle que selon eux, Tanaka est après la compétence de détournement de la déléguée de classe, et il suppose que Tanaka veut utiliser sa compétence Copica pour obtenir la compétence de détournement, puis tuer la déléguée de classe pour obtenir la compétence de détournement originale. Tanaka confirme qu'il a raison et ajoute qu'une fois qu'il aura obtenu la compétence de détournement originale, il tuera tous ses camarades restants, et toutes leurs compétences lui appartiendront, faisant de lui le plus puissant dans ce monde. Haruka comprend alors que cela signifie que Tanaka a utilisé sa compétence Copica sur tous ceux qu'il a tués jusqu'à présent, et Tanaka continue de l'attaquer avec ses différentes compétences d'armes. Haruka décide de ne plus attendre et passe à l'offensive pour attaquer Tanaka, mais Tanaka esquive grâce à sa compétence d'apparition. Haruka pense qu'il n'a aucun moyen de riposter, et pensant qu'il a abandonné, Tanaka essaie de lui porter le coup final, mais Haruka esquive, lui disant qu'il sait qu'il ne peut utiliser les compétences copiées que 3 fois. Cela inquiète Tanaka, qui attaque Haruka frénétiquement, se demandant pourquoi il ne parvient plus à le toucher. Haruka révèle alors qu'il a laissé Tanaka utiliser ses compétences exprès pour trouver sa faiblesse, et il a réalisé que Tanaka hésite à utiliser ses compétences plus de 2 fois, de peur de les perdre définitivement. Haruka sait qu'il peut gagner tant qu'il continue d'esquiver, et Tanaka continue de l'attaquer, pensant que cela n'a pas d'importance même si Haruka comprend comment sa compétence fonctionne. Haruka esquive toujours ses attaques, le contrant et le poussant dans ses retranchements. Il tente de porter le coup final, mais Tanaka l'arrête avec une attaque de faisceau, et Haruka se dit qu'il ne peut pas gagner facilement puisque Tanaka a encore quelques compétences cachées en réserve. Tanaka, furieux de voir qu'un perdant comme Haruka le pousse à bout, déclare que cela n'a pas d'importance puisqu'il lui reste son atout. Il mentionne que les compétences précédentes ne sont rien en comparaison, et il attaque Haruka en utilisant sa compétence de mouvement à grande vitesse. Haruka bloque, pensant qu'il n'y a rien de spécial là-dedans, et Tanaka l'attaque depuis des endroits surprenants, mais cela ne semble pas digne d'un atout. Haruka réalise que Tanaka essaie juste de le distraire pour pouvoir utiliser son véritable atout, et Tanaka utilise ensuite sa compétence de mort instantanée sur Haruka. La compétence fait s'écrouler Haruka au sol, qui cesse de répondre. Tanaka rit de manière démente, pensant qu'il a enfin gagné, et il marche sur la tête de Haruka pour célébrer sa victoire. Il essaie ensuite de partir pour trouver la déléguée de classe, mais Haruka l'interpelle de derrière, et Tanaka est stupéfait de le voir vivant. Il mentionne que c'est impossible, car Haruka n'a qu'un niveau 11 et devrait être mort. Haruka l'informe qu'il possède une compétence de santé générale, ce qui le rend moins sensible aux altérations d'état, et que la mort instantanée est une altération d'état au final. Il mentionne qu'il a également maximisé ses stats de chance, ce qui a dû réduire le taux de réussite de la compétence de mort instantanée au minimum. Tanaka se demande pourquoi il s'est effondré dans ce cas, et Haruka lui dit qu'il faisait semblant. Tanaka n'en revient pas, et déclare qu'il est déjà étrange que Haruka puisse se mouvoir si bien sous l'influence de Twig. Haruka lui répond que c'est grâce à la compétence sans valeur que Tanaka a méprisé, et il lui demande ce que signifie bloquéad. Tanaka lui dit que cela signifie idiot, ce que Haruka est, selon lui. Cependant, Haruka révèle que cela signifie également marionnette en bois, et il mentionne que dans une situation comme celle-ci, il s'est préparé à bouger son corps comme une marionnette tirée par des ficelles. C'est pourquoi il peut se déplacer si bien sous l'influence de Twig, et il dit à Tanaka que ses compétences sans valeur qu'il méprisait ne sont pas si mauvaises. Tanaka refuse d'accepter cela, et il attaque Haruka frénétiquement, fou de rage. Haruka lui dit qu'il ne fait que gaspiller ses compétences en attaquant de la sorte, mais Tanaka persiste, lui demandant de se taire, mais ses attaques sont inutiles. Tanaka est surpris que les choses ne se déroulent pas comme il l'avait calculé, et il se demande pourquoi cela arrive, car il est certain que 1 plus 1 fait 2, et son plan suit la même logique. Haruka lui répond que 1 plus 1 fait bien 2,
et que cela est absolu, mais que cela n'est vrai que dans leur ancien monde. Les choses sont différentes ici, car c'est un monde de fantaisie avec des épées et de la magie, et les déductions courantes de leur monde ne fonctionneront pas ici. Ils mentionnent que dans ce monde, 1 plus 1 est supérieur à 2, car il y a des inconnus partout. Tanaka refuse de croire cela, et il pense que dans son ancien monde, il s'ennuyait, car chaque jour se ressemblait, et tout était banal. Les leçons n'étaient d'aucune utilité pour un génie comme lui, et il était entouré de gens qu'il considérait comme des idiots. Il souhaitait que ces jours ennuyeux se terminent, et un jour, cela s'est produit. Ils ont été invoqués dans un autre monde, et il a vu la liste des compétences qui lui étaient proposées. À ce moment-là, il a formulé un plan qui l'aiderait à échapper à l'ennui, et c'est ainsi qu'il a planifié l'avenir le plus excitant dans toutes les situations auxquelles il s'est retrouvé confronté. Peu lui importait de tuer ses camarades de classe, une fois qu'il les aurait tous tués et pris leurs compétences pour lui-même, il pensait devenir tout-puissant et inarrêtable. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que Haruka intervienne, et il refuse de laisser quelqu'un avec des compétences qu'il juge sans valeur lui barrer la route. Il attaque alors Haruka avec une épée, mais Haruka parvient à le désarmer et pense que Tanaka aurait dû être à court de tour maintenant, car le combat a été long et il a déjà utilisé plusieurs de ses compétences. Il essaie ensuite d'attaquer Tanaka, mais est frappé par l'épée derrière lui, réalisant que Tanaka peut la contrôler à distance. Il ne peut croire que Tanaka ait encore une compétence comme celle-ci. Tanaka mentionne que Haruka a peut-être posé quelques problèmes, mais qu'au final, il va tout de même l'emporter. Il attaque Haruka, mais celui-ci réussit à bloquer toutes ses attaques et riposte, blessant Tanaka. Haruka lui dit qu'il a peut-être tout calculé, mais qu'il a trop compté sur ses compétences spéciales sans fournir aucun effort personnel. Il souligne que, pendant que tout le monde dans la classe faisait de son mieux, Tanaka ne faisait rien. Dans un geste désespéré, Tanaka essaie de porter une ultime attaque, mais Haruka utilise sa compétence Gambi pour mettre fin au combat, et il passe à côté de lui en mentionnant qu'il n'a peut-être pas de compétence de triche, mais qu'il a ses propres astuces. Après le combat, il pense que cela a été un combat serré, et il aurait perdu s'il avait fait une seule erreur. Il commence à ressentir la douleur en désactivant Blockade, et il se rend compte que sa mana est presque épuisée après avoir utilisé Gambi. Il se rappelle de la déléguée de classe et des autres, et se dit qu'il pourrait ne pas être en mesure de les rejoindre, avant de s'effondrer au sol. À ce moment-là, les nerds viennent à sa rescousse, et Haruka est surpris de les voir, leur demandant où ils étaient tout ce temps. Il lui explique qu'ils sont venus le chercher car il ne s'était pas présenté en ville, et qu'ils estiment que c'est leur tour de l'aider maintenant. Les nerds lui donnent une potion pour qu'il reprenne des forces et l'aide à retourner en ville. En chemin, Haruka leur demande ce qu'ils faisaient ici, et ils expliquent qu'ils venaient de revenir à Omi après être revenus d'un donjon, où ils ont trouvé la déléguée de classe et les autres paniqués parce qu'Haruka était parti seul se battre dans la forêt. Ils n'ont pas pu rester sans rien faire après avoir appris cela et se sont précipités pour le sauver. Tous arrivent alors en ville. Les filles entourent Haruka, soulagées de le voir sain et sauf, ce qui le rend mal à l'aise. Les sportifs sont également heureux qu'il aille bien et proposent de retourner au village. On voit ensuite les filles s'excuser auprès des nerds pour leur comportement passé et les remercier de les avoir aidés à survivre. Voyant cela, Haruka pense qu'il n'a plus vraiment sa place ici et essaie de s'éclipser dans la forêt pour reprendre sa vie de solitaire. Mais la déléguée de classe l'arrête, lui disant qu'il devrait dire quelque chose à son retour. Il lui dit simplement qu'il est rentré, et elle le prend dans ses bras, lui demandant pourquoi il essaie de s'enfuir alors qu'elle a été tellement inquiète pour lui. Haruka se demande s'il l'a encore fait pleurer, mais elle lui répond qu'elle est heureuse qu'il soit revenu vivant. Elle lui annonce toutefois que les filles et elles vont lui passer un savon pour s'être aventurées seules hors de la ville. Les filles entraînent Haruka en ville, et la déléguée de classe est soulagée de le voir en sécurité. La scène se coupe alors à Haruka, en plein cauchemar, rêvant d'un lich attendant seul dans un endroit sombre. Il se réveille, effrayé par ce rêve étrange, se demandant ce qu'il signifiait. Le lendemain, on retrouve Haruka à l'auberge, pensant qu'il est encore un peu courbaturé à cause de son combat contre Tanaka. Il remarque les nerds sur le départ et se demande s'il retourne au donjon. Ces derniers confirment qu'ils y vont, mentionnant que les choses ont été difficiles dernièrement à cause de l'augmentation du nombre de monstres. Ils expliquent qu'il y a un objet rare dans le donjon, un objet capable de changer la façon dont les autres les perçoivent, et c'est pour cela qu'ils y retournent. Haruka pense que cet objet est parfait pour des personnes aussi maussades qu'eux, mais les nerds lui conseillent de se regarder dans un miroir avant de leur parler ainsi. Ils partent ensuite, laissant Haruka se demander pourquoi il est encore ici. Il se rappelle qu'il a déjà réuni les nerds avec le reste de la classe et qu'il a aussi vaincu Tanaka. Il n'a donc plus de raison de rester. Il décide de retourner à sa caverne pour retrouver sa vie de solitaire, mais alors qu'il s'apprête à partir, il sent une aura meurtrière derrière lui. Il se retourne pour voir que c'est la déléguée de classe. Elle lui dit qu'ils doivent parler, ce à quoi il répond qu'il a déjà eu son lot de sermons hier.
La déléguée de classe lui rappelle qu'elle n'a rien dit la veille et qu'il doit s'attendre à un nouveau sermon. Elle lui demande pourquoi il a fait quelque chose d'aussi dangereux tout seul. Haruka, n'ayant pas de réponse, s'excuse et elle lui demande de ne pas recommencer. Lorsqu'elle s'éloigne, Haruka pense que c'est encore plus traumatisant que son combat contre Tanaka. Il veut éviter sa colère et mener une vie paisible. Il se rappelle de l'objet mentionné par les nerds. Avec cet objet, il pourrait faire en sorte que les gens l'aiment, et personne ne serait plus jamais en colère contre lui. Il décide alors de se rendre au donjon. La scène passe ensuite à Muriel qui apporte du thé à son père, travaillant trop dur, et l'incite à faire une pause. Son père lui répond que leur ville, Omui, située à la frontière, ne peut pas se permettre de ralentir. Il explique que, récemment, leur ville reçoit moins de marchands à cause de l'augmentation de l'activité des monstres. Un soldat entre en courant, annonçant qu'une horde de monstres se dirige vers la ville. Pendant ce temps, Haruka, en route vers le donjon, détecte des ors grâce à sa compétence de perception. Il se prépare alors à les combattre. La scène se coupe ensuite à la guilde, où Muriel arrive en courant, informant le maître de guilde qu'une horde d'ors attaque leur ville. Elle mentionne que leur village voisin a déjà été anéanti. Tout le monde est surpris et décide de se préparer pour défendre la ville. La déléguée de classe annonce qu'elle aidera avec son groupe. En chemin pour réunir les autres, elle réalise qu'elle n'a pas vu Haruka depuis un moment. Au même moment, Haruka charge vers les ors. Il remarque qu'il y en a plus que jamais et qu'il y a un roi ORC parmi eux. Il les vainc facilement, les considérant simplement comme de l'expérience à accumuler. À la porte de la ville, les aventuriers se préparent à défendre Omui. Muriel leur dit que les ors arriveront bientôt. Sans qu'ils le sachent, Haruka continue à combattre et finit par affronter le roi ORC. Après une série d'attaques, il le vainc. Une fois les monstres battus, il se demande pourquoi il y en avait autant, mais ne s'attarde pas sur la question et continue vers le donjon. Une fois au donjon, il utilise sa compétence de furtivité pour y pénétrer sans alerter les gardes. En explorant les lieux, il trouve des coffres au trésor, mais ne découvre que des objets inutiles. Déçu, il se demande où il pourrait trouver l'objet rare. Se rappelant du marchand douteux qui collecte des objets des donjons, il décide de quitter le donjon pour aller le voir. Pendant ce temps, à la ville, les aventuriers attendent toujours les ors, se demandant si Muriel a donné de mauvaises informations. Ils aperçoivent alors quelqu'un dans un nuage de poussière, mais il s'agit de Haruka. Il leur demande ce qu'ils font là, et la déléguée de classe lui dit que la ville est sur le point d'être attaquée par des monstres. Surpris, Haruka réalise qu'il parle des ors qu'il a déjà vaincus. Tout le monde est choqué, et les filles se mettent en colère contre lui pour avoir agi seul une fois de plus. De retour à la guilde, Haruka est maintenant sermonné non seulement par les filles, mais aussi par le maître de guilde. Ce dernier le remercie pour ses efforts, mais lui demande de ne pas agir si imprudemment. Il explique que l'activité des monstres augmente, et que cela pourrait mener à une future invasion. Muriel et le maître de guilde lui demandent donc d'être plus prudent à l'avenir. Ensuite, nous voyons Haruka dans sa chambre la nuit, et il pense que sa vie de solitaire s'éloigne de plus en plus, car de plus en plus de personnes commencent à rejoindre son groupe de sermonneurs. Il décide de se dépêcher pour trouver l'objet qui fait que les gens l'aiment, et le lendemain, il se rend chez le vendeur douteux. Le vendeur lui demande simplement de partir, car il ne veut pas qu'il fusionne davantage ses objets, et il refuse de vendre quoi que ce soit à Haruka. Haruka lui dit qu'il n'est pas là pour acheter quoi que ce soit, mais qu'il veut simplement obtenir des informations sur un objet. Il explique qu'il s'agit d'un objet qui peut faire que les gens l'aiment, et le vendeur réalise qu'il parle de l'objet qui augmente la popularité de quelqu'un. Il révèle que cet objet s'appelle l'anneau de phéromone, et il est dit qu'il se trouve quelque part dans le donjon voisin. Haruka pense que c'est ce dont il a besoin, et il demande au vendeur où il peut le trouver. Le vendeur mentionne que, comme il n'a pas encore été trouvé, il pourrait être dans l'un des niveaux inexplorés du donjon. Il suppose qu'il se trouve peut-être en dessous du niveau 50, et Haruka lui demande combien d'étages le donjon comporte. Il découvre qu'il y a 100 étages, et Haruka est déterminé à explorer chaque étage s'il le faut. Le vendeur lui dit que ce ne sera pas si facile, car chaque étage a un boss, et ils ne peuvent pas descendre au niveau inférieur sans vaincre ce boss. Il mentionne également que le donjon abrite un empereur du donjon, et qu'il devra se ravitailler en objet de soins s'il veut l'explorer sérieusement. Haruka comprend, et il se rend dans une autre boutique pour acheter des objets de soins, mais, à son insu, les nerds l'espionnent. Ensuite, les nerds informent la déléguée de classe et les autres filles des plans de Haruka, et elle pense que ce serait mauvais si Haruka arrivait à mettre la main sur cet anneau de phéromone. Elles se regroupent toutes pour décider de l'arrêter, et pendant ce temps, Haruka se dirige vers le donjon en pensant qu'il va s'amuser à l'explorer seul. Bientôt, il remarque quelqu'un qui s'approche de lui dans un nuage dramatique de poussière, mais c'est la déléguée de classe et son groupe.
Il leur demande pourquoi elles sont là, et la déléguée de classe lui demande s'il se rend au donjon à la recherche de l'anneau de phéromone. Haruka prétend que ce n'est pas le cas, déclarant qu'il y va seulement pour l'anneau de Salomon, en expliquant que c'est un objet qui permet de communiquer avec les oiseaux, mais elle ne le croit pas. Haruka s'enfuit ensuite vers le donjon, et le garde paresseux présent la balavertit de ne pas entrer, car cet endroit est interdit, mais il ne fait rien pour l'arrêter, et les filles le suivent juste après lui. Une fois dans le donjon, Haruka pense que ce serait mauvais si la déléguée de classe obtenait l'anneau de phéromone avant lui, et il se met à courir devant, bien que la déléguée de classe le prévienne qu'il pourrait y avoir des pièges ici. Haruka pense que cela n'arrivera pas puisqu'il a maximisé ses statistiques de chance, mais il tombe quand même dans un piège de trappe. La déléguée de classe essaie de le sauver alors qu'il chute, mais elle ne parvient pas à attraper sa main, et il tombe. Il continue de tomber pendant un moment, se demandant à quelle profondeur va cette trappe, et il réfléchit à des idées pour son atterrissage. Lorsqu'il aperçoit enfin le sol, il utilise la magie de la terre pour le rendre plus mou et atterrit en toute sécurité. Il se demande alors s'il est tombé tout au fond, et il remarque qu'il n'y a qu'un seul chemin devant lui. Il est sûr que le chemin sera piégé, mais tout à coup, il découvre qu'il peut voir la disposition de tout cet endroit dans son esprit. Il vérifie ses statistiques et remarque qu'il a acquis deux nouvelles compétences, la perception spatiale et la détection de pièges. Il est ravi d'avoir la perception spatiale, car elle sera sûrement utile, mais il regrette de ne pas avoir eu la détection de pièges plus tôt, ce qui lui aurait évité de tomber dans ce piège. Il utilise ensuite ses deux compétences et découvre qu'il se trouve actuellement au 101e étage du labyrinthe, et qu'il n'y a pas de piège sur le chemin devant lui. Il réalise qu'il est même en dessous du niveau le plus bas du labyrinthe, et il pense que cela doit être une salle de boss secrète. Pendant ce temps, la déléguée de classe et les autres descendent dans le labyrinthe, et les nerfs demandent aux autres s'ils sont sûrs de vouloir aller plus loin, car ils n'ont pas apporté de nourriture. La déléguée de classe insiste pour chercher Haruka, et nous voyons Haruka avancer sur le chemin menant à la salle du boss. Il a du mal à respirer car le chemin est rempli de mana dense, et il finit par atteindre la salle du boss secret. Il pense qu'il n'a pas le choix et qu'il doit affronter ce boss, car il n'y a pas d'autre issue, et dès qu'il ouvre la porte, il sent une magie sombre et maléfique. Il aperçoit un lich devant lui et comprend que cette magie provient de ce monstre. Bien qu'effrayé, il s'avance vers le lich, mais il se rend compte que la situation est désespérée lorsqu'il remarque que le lich a un niveau 100 et qu'il s'agit de l'empereur du donjon. Pendant ce temps, les amis de Haruka se trouvent au 47e étage et ne parviennent toujours pas à le retrouver. Les nerds pensent qu'il pourrait être tombé jusqu'au niveau le plus bas, et la chef des filles remarque une porte de téléportation sur l'étage, en indiquant qu'elle pourrait les ramener à la surface. Les nerds expliquent que ces portes n'apparaissent qu'après avoir vaincu tous les monstres et nettoyé un étage. La chef des filles pense que Haruka pourrait simplement utiliser l'une d'elles pour revenir, mais les nerds expliquent que ce n'est peut-être pas possible, car Haruka semble grimper le donjon à l'envers, et ses dispositifs ne fonctionnent pas dans ce cas. La chef des sportifs est convaincue qu'Haruka trouvera une solution, ayant foi en lui, mais la déléguée de classe reste inquiète. Le chef des nerds déclare ensuite qu'il s'agit d'un ancien donjon, et qu'il pourrait donc abriter un empereur du donjon, un monstre beaucoup plus puissant qu'un roi du donjon. Il révèle qu'il a entendu dire que sa présence rend les autres monstres plus puissants, et les filles pensent qu'il est vrai que les monstres qu'elles ont affrontés jusqu'à présent étaient plus forts que la normale. Elles sont convaincues que les choses vont devenir encore plus difficiles à partir de maintenant, et elles pensent qu'elles devraient faire demi-tour. Cependant, l'une des filles déclare que Haruka les a aidées tout ce temps, et que c'est maintenant à leur tour de lui rendre l'appareil. Les autres sont d'accord avec elle, renouvelant leur détermination à retrouver leur solitaire résident, et elles s'enfoncent ensemble pour le sauver. Pendant ce temps, au dernier étage, Haruka évalue le lich, mais il est incapable de voir ses statistiques, et il comprend que ce monstre est une très mauvaise nouvelle. Pourtant, il n'a pas le choix et doit se battre. Il utilise son agilité pour se placer derrière le lich et l'attaquer, mais le lich contre son attaque facilement. Cela défie tout ce qu'il sait, car les liches sont censés être bons en attaque à distance, pas en combat rapproché. Il attaque à nouveau le lich, mais celui-ci bloque son coup une fois de plus, et Haruka réalise qu'il est dans une très mauvaise posture. La scène se coupe ensuite au père de Muriel regardant un orage depuis sa fenêtre, tandis que Muriel arrive avec du thé. Elle remarque alors que les nuages d'orage sont directement au-dessus du donjon le plus profond de la région et ressent qu'un danger pire que les ors pourrait bientôt s'abattre sur leur ville. Son père lui demande de contacter la guilde des aventuriers au cas où, et de leur dire de se préparer à des urgences, ce qu'elle comprend immédiatement. La scène revient à Haruka, toujours en train de combattre le lich. Il utilise sa compétence d'infusion magique pour tenter de suivre sa vitesse. Il attaque le lich, mais celui-ci bloque, et Haruka se rend compte que même cette vitesse n'est pas suffisante. Il essaie d'aller encore plus vite, mais le lich continue à tenir le rythme.
Il accélère avec chaque attaque successive, mais le Lich bloque toutes ses tentatives. Incapable de lui infliger un seul coup, Haruka perçoit que le Lich s'apprête à le transpercer avec son épée et esquive immédiatement l'attaque. Il pense que c'était de justesse et explique qu'il a été sauvé grâce à ses lentilles de contact. Il précise que, en essayant de suivre les mouvements ridicules du Lich, ses lentilles ont acquis une nouvelle compétence appelée vue divine, qui lui permet de voir un peu dans le futur. Malgré cela, il sait qu'il mourra s'il baisse sa garde, alors il décide de continuer à frapper avec tout ce qu'il a, sans penser à autre chose. Haruka et le Lich échangent de nombreux coups, et bien qu'il soit au bord de l'épuisement total, il se sent excité. Finalement, il s'effondre au sol, son mana et son endurance ayant atteint leurs limites. Il se sent sur le point de s'évanouir et remarque que le Lich est toujours aussi puissant qu'au début du combat, sans montrer aucun signe de fatigue. Haruka espère qu'il feindrait au moins d'être fatigué. Le Lich s'avance alors pour l'attaquer, mais Haruka ne peut plus bouger. Cependant, le Lich s'arrête juste devant lui, sans l'attaquer. Haruka se demande ce qui se passe et réalise que ce monstre est différent. Contrairement aux autres monstres qu'il a affrontés, qui attaquaient avec une intention meurtrière, celui-ci n'en montre aucune. Haruka comprend que le Lich pense pouvoir le tuer à tout moment et que son arrogance est digne d'un boss secret. Il charge alors le Lich, esquive ses attaques, et tente de l'attaquer par derrière, mais le Lich finit par le coincer, pointant son épée sur son cou. Haruka est surpris que le Lich ne le tue toujours pas et remarque qu'il semble lutter contre quelque chose pour ne pas le faire. Il réalise que le Lich est contrôlé par les ténèbres et forcé de se battre contre sa volonté. À ce moment-là, le bâton de Haruka commence à absorber les ténèbres entourant le Lich. Haruka se demande si son bâton est fusionné avec quelque chose de divin capable de dissiper les ténèbres. Sans comprendre complètement ce qui se passe, il décide d'absorber toutes les ténèbres dans son bâton et continue de combattre le Lich. Après plusieurs échanges de coups, Haruka réussit à absorber toute l'obscurité. Le Lich cesse alors de l'attaquer, et Haruka est soulagé d'avoir eu raison, le Lich était contrôlé. Il réalise que le Lich voulait mourir pour être libéré des ténèbres, et c'est pour cela qu'il essayait désespérément de ne pas tuer Haruka, espérant qu'il le tuerait à sa place. Le Lich lâche alors son arme, mais les ténèbres commencent à s'échapper à nouveau du bâton de Haruka et retournent vers le Lich. Haruka comprend qu'il doit tuer le Lich immédiatement, mais il n'arrive pas à s'y résoudre et décide de l'étreindre à la place. Il est persuadé que ce Lich est également un solitaire. À cet instant, sa compétence de servitude s'active, faisant du Lich son serviteur. Haruka s'excuse, expliquant qu'il ne sait pas comment il a activé cette compétence ni comment la désactiver. Cependant, cela règle le problème des ténèbres, qui ne cherchent plus à posséder le Lich. Haruka tend alors la main au Lich en signe de bonne foi, mais celui-ci ne fait rien. Haruka se demande si le Lich est en colère d'avoir été soumis, mais celui-ci hoche la tête pour signifier qu'il ne l'est pas. Il se serre la main, et Haruka est heureux de voir qu'il peut le comprendre. Haruka utilise ensuite l'évaluation sur le Lich et découvre qu'il peut maintenant voir toutes ses statistiques, qui ont été réinitialisées. Il apprend également que le nom du Lich est Angelica, et il est surpris de découvrir qu'il s'agit d'une fille. Il se lamente d'avoir encore utilisé sa compétence de servitude sur une fille et est sûr que la déléguée de classe va lui reprocher cela. Il espère qu'elle ne s'en souciera pas trop, car ce n'est qu'un squelette, et il décide de quitter cet endroit. Il ouvre une porte dans la pièce et, grâce à sa perception spatiale, il remarque qu'il est au 100e étage. Il voit les escaliers pour remonter et s'apprête à les emprunter, mais son chemin est bloqué par le boss de l'étage, une armure vivante de niveau 100. Haruka n'en revient pas de devoir affronter un autre monstre de niveau 100 d'affilée. Contrairement au Lich, celui-ci déborde d'intentions meurtrières. Il tente d'utiliser sa magie de la terre pour détruire le sol au-dessus, espérant remonter avec sa compétence de marche aérienne, mais il aperçoit deux minotaures de niveau 99 sur l'étage supérieur, furieux qu'il ait ouvert un trou dans leur sol. Les Minotaures descendaient, à la grande surprise de Haruka, ils s'entretuent avec l'armure vivante. Haruka n'en revient pas de sa chance et ramasse leurs cristaux magiques tandis que le Lich, Angelica, l'observe. Il est ravi que sa statistique de chance soit au maximum. L'armure vivante a également laissé tomber son armure, qu'Angelica veut porter. Haruka la laisse faire, mais l'armure semble beaucoup trop grande pour elle. Cependant, elle s'adapte magiquement à sa taille, et Haruka trouve que cela lui va beaucoup mieux. En évaluant l'armure, il découvre qu'elle est maudite, ce qui met Angelica en colère, car il ne l'a pas vérifiée avant. Haruka trouve qu'elle est aussi effrayante que la déléguée de classe et décide de la surnommer Chevalier Délégué, tandis qu'il continue de monter les étages. Après cela,
On voit la déléguée de classe et les autres descendre au 50e étage, mais ils n'ont toujours pas réussi à retrouver Haruka. Les nerds sont convaincus qu'Haruka est probablement déjà remonté, et lorsqu'ils le confronteront, il dira simplement qu'il se sentait déprimé, alors il est remonté. Les filles sont d'accord avec eux, et la déléguée de classe pense qu'ils pourraient trouver des indices sur sa localisation à l'étage suivant. Ils entrent ensuite dans la salle du boss de l'étage et tombent sur un cyclope géant avec quatre bras. La scène se coupe ensuite à Muriel qui rapporte à la guilde qu'il se passe quelque chose de bizarre dans le donjon, mais le maître du donjon n'est pas sûr de cela, car le garde en poste là-bas n'a rien signalé. Ofte pense que ce garde n'est pas très fiable, et on voit qu'ils ont totalement raison, il est entouré de nuages d'orage menaçants, mais il s'inquiète seulement de la pluie et du risque d'attraper un rhume. Le maître de la guilde aimerait aussi qu'il fasse un meilleur travail, et Ofte propose qu'il se tienne prêt à intervenir au cas où. Il décide également d'en informer les autres. Le maître de la guilde se demande alors où est passé leur nouveau groupe d'aventurières, et Gatek mentionne qu'il ne les a pas vues aujourd'hui. Il trouve étrange que les filles soient absentes, et Muriel espère que son pressentiment est faux. Pendant ce temps, on voit Haruka explorer le 98e étage du labyrinthe, et on remarque qu'Angelica est de meilleure humeur depuis qu'il lui a donné une cape de rechange qu'il avait avec lui. Haruka sent alors la présence d'un monstre et se rend compte qu'il s'agit d'un Lich de niveau 98. Il est immunisé contre les attaques physiques, et seule la magie divine fonctionne contre lui. Haruka se demande s'il devrait ouvrir un autre trou dans le plafond pour monter, mais il ne sait pas si d'autres monstres tomberaient de là. Le monstre l'attaque alors, mais Haruka esquive et se souvient qu'il a une arme très efficace contre les monstres de type ténèbres. Il utilise son bâton pour vaincre le monstre et pense qu'il a vraiment trouvé une excellente arme. Au 97e étage, il rencontre des mythes vénéneuses de niveau 97. Il évite de s'approcher pour ne pas risquer d'être empoisonné et se souvient d'un vieux dicton. Il utilise ensuite sa magie de feu pour créer une flamme qui attire les mythes. Lorsqu'elles sont assez proches, il concentre plus de mana pour agrandir la boule de feu, tuant les mythes instantanément. Au 96e étage, il remarque d'énormes chenilles monstrueuses de niveau 96. Il se dit que ce sont probablement les formes évoluées des mythes et se demande comment les gérer. Il utilise sa magie de la terre pour créer une sorte de rouleau compresseur, écrasant les chenilles tout en le chevauchant. Il monte ensuite à l'étage suivant, où il sent une présence différente et puissante. Il avance et tombe sur de petites épées, ainsi qu'une gigantesque épée vivante de niveau 100. Haruka n'aime pas cela, car il est au 95e étage et les monstres devraient être de niveau 95. Le monstre l'attaque, mais Haruka esquive et tente de contre-attaquer par derrière. Cependant, l'épée vivante esquive aussi son attaque. Haruka recule et pense que ce monstre est coriace. Il ne peut pas anticiper ses mouvements, car ils diffèrent de ceux des monstres humanoïdes. Tandis qu'il réfléchit à une stratégie, les petites épées l'attaquent à leur tour. Haruka les contre, mais il sait qu'il ne pourra pas tenir si elles continuent. Il se souvient alors qu'il n'est pas seul et demande de l'aide à Angelica. Voyant l'aura qu'elle dégage, l'épée vivante devient sérieuse. Angelica charge alors le monstre de front, et après un affrontement, elle le vainc facilement. Haruka n'en revient pas de sa puissance, même après la réinitialisation de son niveau. Il se dit qu'il a trouvé une alliée sur laquelle il peut vraiment compter. Il continue de monter, tandis qu'on voit ses amis toujours en train de se battre contre le cyclope. Ils peinent à se défendre contre les attaques du monstre, et leurs avant-gardes et gardes intermédiaires sont en difficulté. Ils sont convaincus qu'ils ne pourront pas arrêter la prochaine attaque. Les nerds et les sportifs se demandent ce qu'Haruka ferait dans une telle situation. Ils élaborent un plan, et bien que la déléguée de classe manque de peu d'être mise hors combat, les leaders des nerds et des sportifs l'aident à se relever, affirmant qu'ils ne peuvent pas abandonner maintenant. Le leader des sportifs utilise alors ses mouvements rapides pour détourner l'attention du cyclope et grimpe sur son bras. Le cyclope tente de l'attaquer avec son autre bras, et il ne s'y attend pas, si bien que le cyclope l'attrape. Mais cela ne le dérange pas, car il n'était qu'une diversion. À ce moment-là, le leader des nerds tire une flèche qui traverse l'œil du cyclope, l'abattant. Ils célèbrent ensuite leur victoire, et la déléguée de classe est heureuse de voir leur classe unie grâce à Haruka. Elle est certaine qu'ils vont le sauver. Pendant ce temps, on voit Haruka au 85e étage, continuant de monter. Juste à ce moment-là, le labyrinthe commence à trembler, et on voit des hordes de monstres se déplacer à un étage, laissant présager une possible stampede. Pendant ce temps, le garde paraît se bailler à l'extérieur, négligeant ses devoirs, et il pense aux personnes qui se sont aventurées dans le labyrinthe alors qu'ils sont en alerte maximale à cause d'une possible stampede. Il espère qu'il ne leur arrivera rien, et soudain, il remarque une foule de rats sortant du labyrinthe. Il jette un coup d'œil à l'intérieur,
voyant de nombreux monstres apparaître tous en même temps, et la vue le terrifie. Il retourne à la ville pour informer le maître de la guilde de ce qu'il a vu, et ce dernier se rend compte que la stampede est enfin là. On voit un grand groupe de monstres se diriger vers la ville, et Muriel n'est pas contente que son mauvais pressentiment se soit avéré juste. Gatek espère que les enfants qui sont allés dans le labyrinthe vont bien, et le maître de la guilde se souvient qu'il avait un ancien document concernant le labyrinthe. Il examine attentivement le document et révèle à tout le monde que, selon celui-ci, le labyrinthe est vivant et continue de s'étendre vers le bas. Lorsque ses étages les plus profonds sont atteints, les monstres ne peuvent plus être contenus à l'intérieur et s'en échappent. Ofte se demande s'il existe un moyen d'arrêter cela, et le maître de la guilde lit plus loin pour découvrir que pour stopper la stampede, ils devront tuer le boss au dernier étage du labyrinthe. Gatek n'est pas sûr que quelqu'un dans cette ville soit capable de le faire, et cela fait immédiatement penser à Muriel à Haruka, mais elle est sûre que même ce solitaire inutile ne pourra pas gérer cette situation. Il remarque alors que tout le bâtiment tremble, et le maître de la guilde demande à Ofte d'évacuer les citoyens de la ville et de les empêcher de paniquer. Il dit à Gatek d'emmener les membres de la guilde aux portes de la ville et de les protéger de leur vie. Ils partent tous les deux, et le maître de la guilde est prêt à se battre contre les monstres, jurant de ne pas les laisser approcher de sa ville. Pendant ce temps, Haruka rencontre des griffons à un des étages, et il jette un poisson contenant des champignons paralysants vers eux. Les griffons le mangent et tombent au sol. Haruka les bête ensuite, ce qui laisse Angelica perplexe devant la façon dont il semble être un tel lâche en ce moment, et ils parviennent à nettoyer l'étage. Pendant ce temps, les amis de Haruka sont toujours au 54e étage, et la déléguée de classe demande à tout le monde de tenir bon, sachant que c'est difficile. Ils sont d'accord, car ils doivent sauver Haruka coûte que coûte, et ils remarquent une meute de loups-garous devant eux. Retour à la ville, on voit que les aventuriers ont réussi à repousser la première vague de la stampede, et ils sont tous fatigués et blessés. Muriel est surprise de cette scène, car elle n'a jamais rien vu de tel, et Gatek dit au maître de la guilde qu'ils ne pourront pas tenir le fort si une autre vague de monstres arrive. Ofte se souvient que les nouveaux arrivants sont toujours dans le donjon, et Gatek espère qu'ils ne pensent pas à leur demander de s'occuper du boss. Le maître de la guilde pense que Haruka pourrait être capable de vaincre cette créature, et Muriel réalise que Haruka pourrait être leur seul espoir en ce moment. Le maître de la guilde tente de réfléchir à un moyen de l'informer de la manière d'arrêter la stampede, et Gatek n'est pas sûr que l'un d'entre eux puisse aller le voir dans cette situation. Lui et Ofte regardent Muriel, et elle n'est pas sûre de pouvoir y aller seule. Le maître de la guilde convient que c'est trop demandé à une noble, et il demande à Ofte de l'accompagner, car il connaît bien le donjon. Il se soucie de la prochaine vague de monstres, mais le maître de la guilde et Gatek lui disent de leur laisser cela, assurant qu'ils sauveront la ville même s'ils sont les derniers à se tenir debout. Il comprend, demandant à Muriel de venir avec lui, mais elle n'est pas sûre de cela. Cependant, elle regarde les soldats et aventuriers blessés, qui donnent tout ce qu'ils ont pour sauver la ville, et décide donc de faire tout ce qu'elle peut aussi. La scène se déplace vers Haruka, au 81e étage, et il est surpris de voir que c'est un étage de type aquatique. Il remarque des poissons monstres dans l'eau, et quelques-uns sautent pour l'attaquer, mais Angelica les protège en les abattant. Il la remercie pour cela, mais elle lui dit de ne pas s'en faire. Il remarque alors plusieurs poissons aussi dans l'eau, tous au niveau 81. Il est sûr qu'il ne pourra pas les affronter s'il l'attaque tous en même temps, et il réfléchit à comment les gérer. Le problème principal, selon lui, est leur rapidité, et il se souvient que les poissons sont conservés congelés au marché de poissons. Il utilise cette connaissance avec sa magie de glace pour rendre l'eau beaucoup plus froide, ce qui ralentit les poissons-ci. Il utilise ensuite sa capacité de conditionnement pour congeler uniquement les poissons-ci dans le lac, et il continue à faire de même à mesure qu'il avance dans l'étage. Tout se passe comme sur des roulettes, jusqu'à ce que le boss fasse son apparition et le surprenne. Il remarque qu'il est en colère parce que Haruka a congelé ses amis, et il se fait emporter par la vague que le boss a déclenchée. Angelica se retrouve seule pour l'affronter, mais pas longtemps, car Haruka sort bientôt de l'eau, surfant sur une planche de surf faite de magie de terre, et il saute pour viser le sommet de la tête du boss. Étonnamment, le boss est vaincu. Il espère qu'Angelica va bien, et en apprenant que c'est le cas, il se dit que c'est génial. Ils continuent leur chemin, et Haruka est excité en pensant qu'il devient meilleur pour explorer le labyrinthe. On le voit alors au 79e étage, où il obtient une bague de pèlerin, qui peut augmenter considérablement la chance d'une personne. Au 77e étage, il trouve un bracelet béni qui peut dissiper une malédiction, bien qu'il ne soit efficace qu'une seule fois. Au 75e étage, il rencontre un nécromancien de niveau 100, et après l'avoir vaincu, il obtient une orbe nécromantique qui contient la maîtrise de la vie et de la mort. Haruka est content de récupérer autant d'objets intrigants, pensant que c'est cela, explorer le labyrinthe, et il est sûr qu'il fera une bonne affaire s'il vend ses objets. Il a du mal à décider s'il doit les utiliser pour lui-même ou les vendre, mais sa chance est déjà au maximum, et il n'est même pas maudit. Il les donne à Angelica, lui rappelant qu'elle est sous une malédiction noire, espérant que cela l'aidera. Il voit aussi cela comme une excuse pour l'armure maudite qu'il lui a fait porter, mais Angelica hésite à accepter tout cela. Haruka insiste,
et au final, elle n'a d'autre choix que de les prendre. On remarque qu'elle agissait comme si elle ne les voulait pas, mais ces objets la rendent heureuse, et Haruka ne comprend pas vraiment cela. Il décide de continuer sa recherche de trésors dans le labyrinthe, et Angelica enlève son casque pour sécher sa sueur, révélant qu'elle a en quelque sorte récupéré sa peau. Elle remet ensuite son casque et suit Haruka. Pendant ce temps, au 54e étage, on voit la déléguée de classe et les autres vaincre leur dernier loup-garou. La déléguée demande à tout le monde s'ils vont bien, et ils semblent à peine tenir sur leurs pieds. Ils sont vraiment fatigués, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas abandonner la recherche de Haruka, et la déléguée leur demande de tenir encore un peu. Ils entendent alors quelque chose s'approcher et remarquent que c'est Muriel et Ofte. Descendant dans le donjon, on voit Haruka dans un étage volcanique cette fois, et pendant ce temps, Muriel a découvert que Haruka n'est pas réellement avec les autres. Elle pense qu'il était inutile pour elle de venir ici, et elle se demande qui va arrêter la stampede maintenant. La déléguée de classe lui assure que tout va bien se passer, et Haruka sera certainement capable de l'aider. Les autres étudiants ne trouvent pas cela réaliste, car ils ignorent même où ils se trouvent, et la leader des filles se demande s'ils n'ont pas un moyen de contacter ce type. On leur dit que s'ils en avaient un, ils l'auraient déjà utilisé, et de retour sur l'étage volcanique, on voit Haruka traverser une terre de flammes. Grâce à sa détection de pièges, il a compris qu'il s'agit d'un étage de type piège, et il est capable de détecter les pièges, mais il n'est pas sûr de pouvoir supporter cette chaleur et les désarmer. Il manque de trébucher et de tomber, mais Angelica l'arrête et lui montre un endroit à l'écart du feu, espérant qu'il pourra se reposer un peu. Il accepte son offre, et la déléguée de classe décide de le chercher avec une conviction renouvelée, car ils doivent absolument le retrouver au plus vite. Alors que Haruka se repose, Angelica le garde, et il pense qu'il doit trouver un moyen de restaurer son endurance. Il entend le bruissement du vent, et au 54e étage, la déléguée le ressent également. On voit ensuite Haruka sortir sa tête de l'étage volcanique en utilisant un trou qu'il a trouvé, et il utilise sa magie du vent pour créer une brise douce, ce qui le rafraîchit beaucoup. Il déclare à quel point c'est confortable, et la déléguée l'entend aussi. Il sort ensuite entièrement et est content d'avoir trouvé ce trou. La déléguée l'appelle, et en entendant sa voix, il réalise que c'est sûrement le même trou dans lequel il était tombé. Il pense qu'il a de la chance que sa voix puisse l'atteindre, et elle lui demande s'il peut grimper par ce trou, mais il lui répond que non, se rappelant qu'il a déjà essayé. Il lui demande si elle a une corde ou quelque chose de similaire, mais personne n'en a, et il apprend qu'ils sont au 54e étage. Il leur dit qu'il peut arriver là-bas en courant, et il leur demande d'attendre. Avant de terminer la conversation, elle lui dit que la ville est en danger et lui transmet tout ce qu'elle sait. Il ne peut pas croire qu'une stampede se dirige vers la ville, et Muriel lui annonce que les membres de la guilde font de leur mieux pour protéger la ville en ce moment, mais ils arrivent à leur limite. Il reconnaît sa voix, et Ofte lui dit qu'ils ont rencontré la deuxième vague de la stampede sur leur chemin ici, et si une troisième vague arrive, la ville sera perdue. Muriel révèle qu'il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter cette troisième vague, et c'est qu'ils détruisent le boss du donjon. Il leur répond qu'il l'a déjà vaincu, et ils ont du mal à le croire, se demandant pourquoi la stampede continue alors. Ils pensent que les monstres ont peut-être quitté le labyrinthe avant qu'ils ne tuent le boss, mais cela n'explique pas la présence des monstres actuellement dans le labyrinthe. Ofte lui demande alors s'il a vraiment tué le boss, et il leur répond que non, pensant qu'il ne peut pas tuer Angelica, car elle a déjà souffert assez en étant dans ce trou infernal toute seule pendant si longtemps. Ofte se demande ce qu'ils doivent faire maintenant, et Haruka sait qu'il devra d'une manière ou d'une autre sauver la ville et Angelica. Il pense à un plan, et il dit à Angelica de ne pas s'inquiéter, mentionnant qu'il pourrait avoir besoin de son aide pour réussir. Elle accepte, et il se décide à stopper la stampede. Ofte doute qu'il existe une autre façon d'arrêter la stampede, et la déléguée lui demande s'il est sûr d'avoir un plan. Il lui assure que oui, et elle croit en lui. Muriel se demande comment elle peut lui faire confiance si facilement, et elle mentionne que c'est simplement parce qu'il l'a dit. Elle précise que Haruka est parfois négligent et fait des choses qui peuvent les inquiéter, mais qu'au final, il finit toujours par les sauver, et elle est sûre que cette fois-ci ne fera pas exception. Haruka la remercie pour sa confiance, et il jure de sauver Angelica et chaque personne dans la ville. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Merci de liker, partager et de vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour des récapitulatifs d'anime.